Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle émission de Game Cult, émission de Game Cult en plateau depuis Paris. Voilà, le Tokyo Game Show 2019 c'est terminé. Pourtant, il nous reste pas mal de reportages en stock. Hein. On est allé au Kirby Café. Ça, si c'est pas un reportage de qualité, je ne sais pas ce que c'est. On vous a également concocté, bien évidemment, le Gaijin Dash Prologus, le Gaijin Dash Epilogus, le Gaijin Dash au cinéma. Enfin voilà, il y avait beaucoup de contenu à consommer lié au Tokyo Game Show. Les goodies, bien sûr, et évidemment, et un long reportage sur ma maladie qui m'a cloué au lit. Et je vous remercie d'ailleurs de tous les témoignages d'affection. Ça fait plaisir que ce soit en interne, puisque évidemment vous prenez soin de votre chef, mais également sur Twitter et tous les réseaux sociaux. Je suis bien en vie et ça fait plaisir. On va voir quand même un sommaire extrêmement chargé pour cette semaine. On va enfin parler de Borderlands 3, ce sera le premier gros sujet de cette émission avec toi, Nodus. Tout à fait, il était temps. Il était temps qu'on en parle. Parce que le jeu est sorti la semaine dernière finalement. Sorti le 20, non, le 13. Ouais. 13, puisqu'on est le 20 en fait. Effectivement. On aura également le tournée manette, l'entracte musical et quel entracte. Alors je me rappelais plus la thématique, mais quand on me l'a soufflé, eh bien j'ai été, bah voilà, c'est ça, soufflé. Un peu en traître en plus, j'étais même pas là. Ah oui, c'est vrai, mais pourtant le trophée te revient de droit. Donc cet entracte musical sera consacré à la musique. Dans les arbres. Si ça, c'est pas beau. Exactement. Ouais. Et ça va être bien, je crois. Ouais. J'espère, je crois que je me suis pas trop mal démerdé. J'espère. Alors, vous l'aurez remarqué, on a également la présence en plateau de Jean-Marc. Avec plaisir. En lieu et place de Pipo Mantis, puisque Jean-Marc, tu n'as pas eu une machine à chroniquer cette semaine, mais bien deux. Une semaine lourde pour des machines allégées. Voilà, avec d'un coup, quel talent. Tu es bon pour Game Cult l'émission. Avec d'un côté la Nintendo Switch Lite, mais également la Mega Drive Mini. Alors, la Mega Drive Mini, la particularité, c'est qu'elle sortira le 4 octobre, ouais. Mais que comme elle sort le 19 septembre ailleurs, eh bien, on a déjà reçu le modèle européen. C'est ça. Qui est ici en plateau. Et la Switch Lite, c'était hier. Voilà. Et l'autre argument de la Switch Lite, eh bien, c'est la sortie de Link's Awakening qui est conjointe, et c'est toi, Nodus, là encore, alors que tu n'étais même pas né, voilà, c'est, on est dit. Vous êtes donc de ce bord-là, monsieur. Ouais, effectivement. Très bien. Ça reste quand même ton premier Zelda, et du coup, un Zelda que tu affectionnes, et c'est donc toi qui as hérité du test. Oui, tout à fait. Et donc, tu vas nous dire le bien ou le mal que tu en penses, sachant qu'on est plusieurs à l'avoir essayé, notamment Gotoz. Comment ça va, Gotoz? Ça va, merci. Ouais? Ouais, j'ai bu des coups avec Epion de JVC hier, et je me suis douché à l'eau froide ce matin, du coup, ça va moyen. Ah oui, ouais, bah, c'est quoi qui t'entraîne dans la chute finalement? La douche froide ou Epion? Non, c'est la douche froide. Ah bon, d'accord, très bien. Eh bien, nous aurons l'occasion d'évoquer avec toi un gros, gros sujet qui est tombé hier, effectivement, c'est la décision de justice qui est tombée en faveur de l'UFC Que Choisir sur la revente de jeux en dématérialisé sur Steam, qui aura peut-être de lourdes conséquences. On aura l'occasion d'en discuter dans le Point News. Le Point News qui va commencer tout de suite, juste après le jingle. Allez, on démarre ce Point News mitraillette avec toi, Gotos. Il y a un gros jeu qui va sortir très prochainement et qui va venir s'ajouter à ta pile de tests. Ah oui, tu m'as pris complètement de travers. C'est pas grave. Alors, on parle de Disco Elysium. Hein, d'accord, on parle de Disco Elysium, c'est très bien. C'est un polar RPG développé en Estonie qu'on surveille depuis de nombreuses années maintenant, notamment pour ses murs de texte qui nous excitent parce que voilà, on est des bizarres. Polar dans lequel tu incarneras un personnage à la moralité potentiellement douteuse, et dont la spécificité sera d'avoir plusieurs personnes dans sa tête, puisque les aptitudes que tu vas déverrouiller par ton arbre de compétences vont devenir des personas dans ta tête avec lesquels tu vas discuter. Elles auront des têtes de démons et tu pourras discuter avec aussi bien ta dextérité que ton addiction. Ça promet du coup un jeu assez intéressant. Ça sort donc le 15 octobre, donc il vient s'ajouter à cette effectivement rentrée extrêmement bouchée. Et ça sortira évidemment d'abord sur PC. Pour les versions console, il faudra
peut-être attendre si ça devait se faire. Précision cependant, je parlais des murs de texte, c'est un jeu qui sortira uniquement en anglais à la sortie. Il table sur des traductions ensuite, mais malheureusement pas pour le 15 octobre. Et donc voilà, c'est un jeu qu'on attend extrêmement fort. Et comme vous voyez, en plus, il arrive à faire du... De la romance. De la romance en plus. Et comme vous voyez, il arrive à faire de l'isométrie, mais aussi avec quelque chose de... Enfin, qui a du chien vraiment visuellement. Et qui sort un petit peu du cadre habituel de ce qui ressemble toujours à de l'Infinite Engine. Donc voilà, on l'attend très fort, il s'appelle Disco Elysium, et peut-être que vous l'attendiez avant sur le nom de No Truce with the Furies, ce qui était encore plus problématique en termes de SEO, donc voilà. On poursuit avec toi, Nodus, tu vas nous parler du prochain jeu des créateurs de Mini Metro. Et oui, c'est Mini quelque chose, et c'est Mini Motorways. ça va reprendre le principe, effectivement, de Mini Metro qui était sorti en 2015, déjà, quand même, qui proposait, rappelez-vous, de construire et gérer vos lignes de métro dans différentes villes du monde. Il y avait Paris, Tokyo, Berlin, etc. Là, le principe est le même, sauf qu'on va devoir gérer non plus des lignes de métro, mais des routes, pour gérer, en fait, le trafic routier, poser des feux de signalisation. Construire des ponts, construire des souterrains, etc., etc. Et donc poser en fait différents bâtiments dans lesquels, ben, comme dans les stations de mini-métro, il y aura des passagers qui vont attendre, qui vont prendre leur voiture pour voyager à travers la ville, pour désengorger les routes, pour gérer les afflux, etc. Le but étant de construire la ville la plus grosse et de survivre le plus longtemps possible sans bouchons et sans game over. Ça me chauffe de ouf, d'autant que Disaster Piece, donc compositeur initialement donc de Fez, mais aussi de la bande-son du film It Follows, de sa suite Under the Silver Lake, je crois, avait composé à l'époque pour Mini Metro une bande-son procédurale qui était assez bonne et plutôt intéressante en termes de design. Et là, il est toujours à la bande-son de Mini Motorways, donc j'ai vraiment très envie d'y jouer. C'est déjà sorti. En même temps que l'Apple Arcade, donc là on vous regardez l'émission, c'est sorti hier, le 19 ou le 20, sur iOS d'abord premièrement, et ça sortira sur Steam courant 2020. Ouais. T'as l'écart. Tout à fait. Bah, c'est pas le seul du programme Apple Arcade à faire ça. On en parlera juste à la fin du Point News Flash, effectivement, il y a plein de jeux Apple Arcade qui sont sortis et qui sortent d'abord sur iOS et ensuite sur Steam. On poursuit avec le feuilleton en thème, il y a toujours un petit rebondissement et désormais la feuille de route s'apparente plutôt à une feuille, effectivement. Oui. Écoute, je ne sais pas si tu es familier de justement dans les feuilletons du principe de filler, c'est quand tu n'as rien à dire mais que tu fais quand même un épisode. Bon ben voilà, là c'est un peu ça, puisqu'on nous réaffirme que les plans d'ajout de contenu, notamment scénaristique, dans le thème sont pour l'instant compromis. Et vont probablement le rester, puisque pour rappel, là, on est en plein événement cataclysme qui est en train de se terminer. L'événement cataclysme, pour rappel, sur la feuille de route, c'était le premier truc qui devait sortir après la sortie du jeu. Et c'est probablement l'un des seuls trucs qui va sortir sur la feuille de route du jeu, puisque normalement, il devait y avoir des autres actes. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à l'époque, on nous avait dit, enfin, je vous avais parlé notamment du scénario, je vous avais dit, ça finit un peu en autre boudin, et on attendait la suite de l'histoire. Et ben, les actes, en fait, disparaissent, c'est une annonce qu'a fait BioWare. Les actes vont en tout cas disparaître pendant un certain temps, probablement, on va pas se mentir, pour toujours, au profit d'un travail, ce fameux travail de fond sur les systèmes de jeu, une refonte globale, qui est censée être en cours en fait depuis 5 mois. Sauf que si vous retournez sur le jeu, vous trouverez un jeu qui n'a quasiment pas changé. Du coup, en fait, les joueurs là regardent le truc en disant, donc j'imagine que c'est juste un communiqué pour dire que vous arrêtez de bosser sur le jeu, puisque les actes, ça devait être normalement des contenus scénaristiques de la taille du contenu scénaristique du premier jeu, enfin du jeu original. Donc ça disparaît, et on nous dit pour l'instant, alors j'ai noté quand même cette petite citation parce qu'elle est assez merveilleuse, il y aura quand même des petites choses qui vont arriver dans le jeu, et ce seront des événements qui proposeront des défis construits sur des thèmes amusants. Pour rappel, à la base, on était quand même sur une fresque science-fiction qui voulait raconter des choses, produit par BioWare, etc. Maintenant, la promesse, c'est des événements amusants. Du fun, du fun, du fun. Voilà, du fun, du fun, du fun. Donc clairement, il y a le soft launch et il y a la soft death. Et là, je pense qu'il est en train de partir en soft death. Après, si je me fasse l'avocat du diable, il y a des jeux à qui ça a réussi. No Man's Sky, par exemple, qui avait pris son élan pour mieux revenir. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont quand même... pris leur temps, mais pendant ce temps-là, ils n'étaient pas en train de communiquer, en train de dire... Ils ont un énorme problème de communication. BioWare essaie de grossir l'apparence de chaque nouveau patch, mais ce qui sort, en fait, est minuscule par rapport à l'espèce de blog post qu'ils font avec, genre, oui, on a complètement revu ça, non, vous avez juste rajouté une petite fonction de rien. Je pense pas du tout qu'ils sont dans la même dynamique. Tu aurais pu citer aussi FF14, tu vois. Enfin, tu aurais pu citer Realm Reborn, plein de choses. Artefact aussi, qui prend une pause, il y a plein de chez Electronic Arts. C'est clairement, à mon avis, ils sont en train doucement de lui mettre un coussin sur la tête. Et le communiqué, c'était probablement pour préparer ça, je pense.
Qui dit le père dit le foot. D'ailleurs, on en parlera la semaine prochaine. PES, FIFA, rassurez-vous, ça arrive, le marronnier habituel. On aura nos maillots, etc. Ouais, effectivement. Mais tu vas nous parler pour le coup de Football Manager 2020, oui. Qui s'est trouvé une conscience écologique. Oui, alors Football Manager 2020 qui a été donc annoncé, confirmé pour le mois de novembre, évidemment, pas de surprise, et qui commence à dévoiler ses nouveautés, mais qui a aussi précisé que voilà. Qui prenait des engagements avec la planète. C'est mathématique aujourd'hui, tu vois, les arbres, tout ça. Donc, ils ont annoncé, un peu en grande pompe quand même, que le prochain Football Manager, donc Football Manager 2020, allait avoir droit à un emballage, à un packaging en tout cas, quasi intégralement recyclable et recyclé. C'est-à-dire, ce sera une boîte en carton, voilà, on la voit à l'écran, une boîte en carton intégralement recyclable, d'origine déjà papier recyclé, pareil pour la notice, le film... C'est pareil. Le film plastique sera recyclable aussi. Ils en ont fait un communiqué de presse, ils en ont fait une grande annonce. Pour la bonne et simple raison que, bon, bah, eux, forcément, il y a une question d'image, mais il faut quand même savoir que sur le million et des brouettes de jeux que Football Manager vend, il y en a quand même 300 000, par exemple, sur l'année dernière, qui ont été vendus en boîte encore. C'est encore hein, une base assez forte. Ça reste encore un cadeau qu'on peut offrir et pas forcément un jeu qui se vend uniquement en démat. Il y a quand même ce lien, les gens vont acheter leur boîte. Après, bien entendu, donc, il y a Miles Jacobson, le boss de Sports Interactive, a dit, voilà, nous, ça nous coûte, enfin, Sega, en tout cas, ça coûte plus cher. Ça coûte 30% plus cher, mais c'est un truc qu'on veut faire pour la planète, les autres devraient s'y mettre, etc. Alors, qu'on soit clair, ça soulève une question, et c'est une question qu'il est bien de soulever. Il ne faut pas non plus se voiler la face. Typiquement, ce qu'il y a sur le DVD, est-ce que c'est juste l'installeur Steam ? Parce que si on presse un DVD pour mettre juste l'installeur Steam, c'est bien beau de faire une boîte en carton derrière, mais c'est un peu couillon. Et puis est-ce que le DVD est élevé en plein air ? Alors, le DVD n'est pas élevé en plein air, mais le DVD, il a été précisé que le DVD était lui aussi recyclable chez les revendeurs agréés, mais les boîtes agréées pour le faire. Mais ça soulève aussi la question, au-delà de dire, voilà, est-ce que c'est pas un peu un écran de fumée ? Ça soulève aussi la question de l'impact écologique d'un jeu en démat ou d'un jeu physique, lequel finalement pèse le plus lourd, lequel, voilà. En tout cas, ça a l'avantage de... poser le débat, même si ce n'est pas forcément une solution. Je crois même qu'on a un dossier qui est toujours prévu. Et il est vrai qu'on un espère. Un énorme dossier tentaculaire. On va vraiment s'emparer du sujet. Oh, et il arrive. Il arrive, rassurez-vous. Ça me rappelle cependant la petite opération de, je crois, Doom Eternal à la Gamescom qui te disait que si tu venais jouer à la démo... Eux, ils plantaient un arbre dans ce qu'ils avaient appelé la Doom Forest. C'était simplement c'est un coup de com comme un autre, mais effectivement, ouais. Bon, bah, si les éditeurs se mettent à faire des coups de com écolo, c'est pas plus mal non plus. Tout ce qui est écolo et tout ce qui plante des arbres, bon, allons-y. Mais voilà, la question est posée. On prend des nouvelles également d'un jeu indépendant qui est passé un peu inaperçu, sous le radar, si j'ose dire. Il est parti sous le radar tout seul, il y a longtemps. ArtForce Alicia, Kickstarter en 2014. Pas de nouvelles depuis, hein. Alors vraiment aucune nouvelle. Très 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 joli jeu, Metroidvania inspiré, enfin développé par une équipe ouvertement fan de Symphony of the Night, comme souvent hein, quand tu fabriques des Metroidvania. Alors donc très joli jeu qu'on avait vu notamment en 2015, il me semble, à l'E3, et puis ensuite qui avait vraiment disparu. Eh bien, la bonne nouvelle, c'est qu'il est toujours en développement et qu'il entre probablement dans sa, on va dire, dernière ligne droite, même si elle peut encore s'avérer assez longue. L'autre nouvelle, et ce pourquoi les développeurs ont pris la parole, c'était pour dire que finalement, il n'y aurait pas de version Wii U. puisque c'était il y a tellement longtemps des backers sur Kickstarter avaient demandé une version Wii U. Et naturellement, se disant que c'était probablement des clients captifs de chez Nintendo, ils leur ont proposé une version Switch gratuite en échange. Sachant que les backers qui l'ont pris sur d'autres plateformes pourront ajouter 5€ s'ils veulent une version Switch en plus de ça. Globalement, ça se présente comme quelque chose d'assez intéressant dans le sens où il y aurait une énigme ou un passage secret ou les deux sur chaque écran avec des choses extrêmement connectées dans l'univers et le besoin, par exemple, quand tu veux accéder à un donjon, de d'abord l'ouvrir. C'est une sorte de gros verrou à l'entrée et pour ça, il faut accomplir certaines choses dans l'overworld. Donc voilà, on verra comment ça va se mettre, mais c'est très joli en tout cas et c'est bien de savoir que c'est pas une arlésienne vouée à ne jamais sortir.
Ce qui est sûr, c'est qu'on ne manque pas de jeux indépendants en cette rentrée. Franchement, c'est même une belle petite apocalypse. Ouais. Et j'avoue que la sortie de l'Apple Arcade, donc le lancement de l'Apple Arcade le 19 septembre, a encore plus brouillé les pistes, mon cher Nodus. Mais ça, on n'avait pas déjà assez de jeux qui sortaient. Ouais. Et effectivement, l'Apple Arcade qui est disponible depuis le 19 septembre dernier, donc on rappelle que c'est le système d'abonnement mis en place par Apple sur leurs différents supports, qui permet pour 5€ par mois d'avoir accès à un catalogue de jeux. Qui ne sont pas des jeux en streaming, attention, tu les télécharges sur ton support et tu y joues normalement. Donc il y a énormément de jeux, je vais pas tous les lister, mais il y en a beaucoup. Il y a du Sonic Racing chez Sega, Pac-Man Party Royale chez Bandai Namco, Rayman Mini chez Ubisoft, Lego Brawl chez Lego. Il y aura le nouveau Chouchou Rocket là. Et t'as énormément de trucs, il y a même Devolver qui a annoncé trois jeux. Enfin, il y a beaucoup de jeux qui sont pour la plupart d'ailleurs sortis le 19. C'est un petit peu la grande surprise, c'est que tous les projets, enfin il y a pas mal de projets indépendants dont on avait entendu parler il y a de ça quelques mois ou quelques années, qui là se sont dit bah écoute, on va sortir tous le 19. Voilà, donc Jenny Leclou, il y avait Hot Lava de chez Clay, qu'on a vu avant, qui dormait depuis plusieurs années. Là, à mon avis, Apple a dû aligner comme un bon gros chèque pour demander aux développeurs, enfin demander ou profiter éventuellement d'un développement qui arrivait à son terme pour sortir tous les jeux le 19. C'est un peu... Il y a beaucoup de jeux, parfois pas tous forcément terminés. Il y a parfois des problèmes techniques et des jeux qui sont patchés encore après parce que voilà, on sent parfois des sorties un petit peu précipitées. Voilà, le fait est qu'il y a beaucoup de choses qui sont sorties et qui, comme on le disait tout à l'heure avec Mini Motorways, sortiront la plupart du temps l'an prochain ou dans 6 mois sur Steam. En fait, un petit peu comme l'Epic Game Store a des contrats d'exclus temporaires, là Apple Arcade, enfin Apple avec Apple Arcade, ont des contrats d'exclus qui peuvent aller de 6 mois à 1 an. On ne connaît pas encore les dates précises, mais voilà, la plupart de ces jeux sont... Enfin, c'est assez particulier. Par exemple, Hot Lava de chez Clay, il est sorti en même temps sur iOS, mais aussi sur Steam. Overland, il est sorti sur iOS, mais aussi Steam aussi. Ouais. Motorwise, il sort que sur iOS. Enfin, on ne sait pas trop, c'est vraiment au cas par cas. En fait, ça donne l'impression que certains jeux qui prévoyaient leur sortie pour qui la feuille de route était pour l'an prochain donnent déjà accès à une version sans trop dire qu'elle n'est pas forcément terminée. J'ai l'impression en tout cas qu'il y a des développeurs qui se sont retrouvés un peu précipités par l'opération en échange d'un chèque, mais aussi en échange, bah, c'est particulier parce que tu reçois un chèque mais tu fais une croix sur la visibilité de ton jeu, c'est-à-dire qu'il est un jeu de l'Apple Arcade mais son nom n'existe pas dans une journée comme le 19 septembre avec tous les jeux qui sont sortis en même temps, quoi. Souvent c'est des jeux qui auraient mérité justement d'avoir une com rien qu'à eux pour se faire un nom, en fait, pour que le jeu existe. Mais donc c'est très dommage, enfin très dommage je trouve pour la visibilité des jeux, comme tu l'as dit. Par contre, en revanche, ça permet aux studios comme les exclus Epic Game Store d'avoir en amont pas mal de fonds avant même la sortie de leur jeu. Donc indépendamment des ventes, la plupart de ces studios là récupèrent du blé avant la sortie de leur jeu, donc ça c'est plutôt cool pour eux. Et j'ai pas précisé non plus que c'est vraiment un modèle, c'est pas un modèle avec des jeux free-to-play, etc. C'est vraiment un modèle mobile premium. Vous payez pour des jeux qui sont généralement dépourvus de publicité, qui sont vraiment des jeux que tu peux finir de A à Z, des jeux indés, etc. Donc c'est plutôt chouette. Et en plus, on a eu également l'annonce du prochain Capybara, donc développeur de Below et Super Time Force, qui s'appelle Grindstone, qui est une sorte de... jeu de réflexion, slash... C'est un puzzle qui va nous casser la tête, ouais. Puzzle, soldat, bizarre, c'est très mignon, je suis très curieux de tester ça, donc voilà, c'est Apple Arcade, et il y a énormément de trucs dont on va vous parler dans les semaines à venir, puisqu'on n'a pas eu le temps de tout faire. Oui, on va essayer de faire un petit rattrapage sur certains des jeux de l'Apple Arcade, je sais pas, Sayonara Wild Hearts, Mosaic, enfin plein de ces titres-là. Du coup, en fait, c'était aussi un peu le branle-bas de combat du côté des RP, etc., qui se retrouvaient avec une demande de clés dans tous les sens, parfois ils géraient plusieurs jeux de l'Apple Arcade, donc c'était l'enfer, donc nous on est encore en train de récupérer des clés, et on va probablement profiter de l'accalmie de la semaine prochaine. C'est vite dit. Et on aura également l'occasion d'avoir un petit aperçu de l'Apple Arcade. C'est Amaebi, donc le spécialiste qui fait la rubrique smartphone juste un doigt régulièrement, qui va s'en charger. Donc il nous donnera son avis sur le sujet. Dernière petite news importante quand même de la semaine passée, de la semaine écoulée, c'est l'annonce d'un nouveau Total War chez Creative Assembly. Ouais. Par contre, c'est moi qui dors. C'est vrai, effectivement. mais c'est pas très grave. C'est vrai qu'on a les cheveux coupés tous les deux. Alors, est-ce qu'on a vu la panique dans mon regard ou pas? Très posé, tu l'as joué. Tu l'as très bien joué. Oui, tout à fait, un nouveau Total War. Un nouveau Total War saga, je précise, puisque c'est maintenant la franchise Total War est un peu divisée en différentes branches qui ont des formats un petit peu différents. Le format saga, c'est celui qu'on avait vu avec Thrones of Britannia, c'est-à-dire c'est un format qui est beaucoup plus recroquevillé dans le temps et dans l'espace. Ça veut pas dire que les maps sont plus grandes, ça veut juste dire que la zone géographique concernée est plus...
restreinte. Là, en l'occurrence, ce sera un Total War Saga Troy qui vous mettra, bien entendu, dans le contexte de la guerre de Troie, autour de la mer Égée, donc une zone voilà, relativement circonscrite autour de ça, avec une carte de la taille de celle de Rome 2 Total War, quand même, donc voilà, une grande carte. 8 factions disponibles, correspondant, bien entendu, aux peuplades qui ont été décrites dans l'Iliade. Et l'idée, en fait, parce que, bien entendu, dès qu'on arrive derrière Three Kingdoms et sur un terrain comme celui de la mythologie grecque, on se dit forcément à quel point ça va être mythologique pour un Total War. Et là, The Creative Assembly donc, prend une ligne un petit peu particulière qui est de dire, en gros, on va chercher l'historique derrière le mythe. Donc, il y aura des monstres mythologique, mais par exemple le Minotaure, c'est un gros taré avec une lame qui s'est mis une tête de bœuf sur sa tête à lui. Voilà. Les centaures, apparemment, c'est des cavaliers. Voilà. En gros, c'est d'essayer de dire oui, il y avait des choses dans lesquelles il croyait. Et l'idée, c'est de ne pas les effacer, mais c'est juste de dire qu'est-ce qui doctrine militaire. Voilà, qu'est-ce que ça a donné vraiment dans les faits, quoi. Alors, en tout cas, essayer de retrouver, parce que bien entendu, la vérité historique de cette époque-là est un petit peu floue. Donc voilà, donc il y aura tous les héros qu'on peut attendre de votre enfance, Agamemnon, voilà. Et ça arrivera. La carte est hyper jolie. Il y a par rapport à ceux d'avant qui avait tendance à se ressembler, ça là a l'air d'avoir vraiment une grosse personnalité. Ça sortira en 2020 évidemment sur PC, on attend ça de pied ferme, sachant que le précédent n'avait pas été forcément très brillant. Très bien, merci. Le PR, c'est l'occasion pour moi de faire un petit bilan du Tokyo Game Show 2019. Voilà, c'est le moment où je vais parler face caméra. Juste. Combien de litres de sirop déjà? Combien de litres de sirop? Combien de petites gélules qui n'ont servi à rien? Combien de chococro? Beaucoup trop, au moins un par jour. Non, tout ça pour dire que c'était un salon assez paradoxal, au sens où il n'illustre pas vraiment forcément ce qu'est le marché du jeu vidéo japonais actuellement. C'est-à-dire que c'était, il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de relents de nostalgie, quels que soient les éditeurs, notamment chez Sega, chez SNK, chez Square. Alors que dans la réalité des faits, les joueurs japonais se concentrent quand même beaucoup sur le gacha, ils se concentrent aussi beaucoup sur Switch, on sait que Nintendo n'est jamais présent dans tous les gros succès du moment, que ce soit Splatoon, Mario Kart, Super Smash Bros Ultimate, ils n'étaient pas forcément présents, ou alors pour des remises de prix, puisque ça croyait... Ils sont pas présents au TGS, Nintendo ? Non, Nintendo n'est pas présent au TGS historiquement, donc du coup finalement, les plus gros jeux, les plus grosses ventes, et ce qui fait aujourd'hui l'attraction du marché, eh bien, du marché physique en tout cas, eh bien ça c'est exclu de l'équation, et puis même tout ce qui est Battle Royale, que ce soit Knives Out, que ce soit Fortnite, que ce soit PUBG, bah, cette année ils étaient présents mais de façon très discrète. Il y a eu une annonce de Knives Out sur Switch par exemple, mais voilà, tout ce qui fait le phénomène jeu vidéo au Japon actuellement n'était pas vraiment reflété dans les allées du TGS. Du coup on a retrouvé des vieux jeux, et j'ai fait une petite sélection grâce à la demande d'Hubert, donc voilà, notamment Yakuza 7 par exemple, qui était sans doute l'un des jeux les plus importants du salon, celui qui a été mis en avant avec cette nouvelle composante RPG au tour par tour, qui est un petit peu différent d'avant. Donc voilà, avant c'était de l'action pure. Et désormais, eh bien, la réalité fantasmée du héros qu'on voit là, qui est un nouvel héros, qui est plus du tout Kazuma Kiryu, voilà, il imagine les combats et sa vie comme un RPG à la Dragon Quest. D'ailleurs, il y a des citations réelles à Dragon Quest qui sont faites dans le jeu. Voilà, Square Enix a complètement autorisé ça. Et du coup, ça va s'apparenter désormais à un RPG avec des changements de classe. Alors en fait, les changements de classe sont liés au job, puisque comme il pointe à la NPE, eh bien, en fonction des différents emplois, donc que ce soit host, que ce soit livreur, eh bien, etc., ils vont changer d'apparence et donc changer de compétence. Donc ça, c'est plutôt cool. Il y avait également chez Sega un jeu qui s'appelle Shin Sakura Taisen, qui mettait en avant le retour d'une vieille licence, licence à la fois de tactique et de drague. Alors la drague est toujours là, voilà, c'est pour ça que tu te balades en joli costume dans les allées. Et puis par contre, les combats, eh bien, ce sera du temps réel à Dynasty Warriors, et là, c'est le moment où ça commence un petit peu à pêcher. J'ai entendu Greg en vidéo dire « c'est un très beau jeu PS2 ». Voilà, et c'est exactement ça, même si on change en plus de character designer, voilà, c'est désormais le character designer de Bleach qui a été appelé en renfort, et on perd peut-être un petit peu le trait qui faisait l'intérêt du jeu avant, même si l'autre intérêt du jeu, eh bien, c'est de pouvoir lier des romances avec les différentes membres de la troupe de théâtre, puisque c'est comme ça, oui, Nodus, oui, que c'est là-dessus que le succès du jeu s'est bâti également. C'est une troupe cachée dans une troupe de théâtre, c'est un truc complètement fou. Je sais pas si la corrélation entre la romance, le théâtre et le mecha dans la ville.
Ah, parce que bah, pour défendre, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Je pose vachement voilà, trop de questions. L'autre jeu sur lequel on va passer quelques temps, bah, c'est Final Fantasy VII Remake. Alors nous, on a eu l'occasion de faire le petit GK Live où je me suis largement planté dans la date de sortie à chaque fois. Donc ça sortira le 3 mars 2020 en exclusivité PS4. Et bah, c'est toujours aussi puissant. Là, c'est pas forcément ce qu'on a pu essayer, nous, sur le salon, puisque c'était directement dans les mines de la Shinra. Et bah, ça fonctionne toujours aussi bien, d'autant plus qu'on a eu la confirmation d'un mode classique qui permettra de jouer avec l'ATB du début à la fin du jeu, donc voilà, avec des commandes de RPG plutôt classiques, sans la pause active qui est là. Donc pour les intégristes de l'ATB traditionnel, eh bien, ce sera possible de faire l'intégralité du jeu comme ça. On l'a vu tourner le jeu comme ça ? Ouais, il y a eu une démo directement sur le salon. En fait, tu tournes autour de l'ennemi en attendant que ta zone se charge. C'est pied fixe au sol ? Bah ouais, ouais. Ah, ouais, c'est la TB classique. Toute la mise en scène est vraiment classique. Ouais, ouais, ouais. Pas seulement la TB. Peut-être que je me suis. Peut-être que je me fourvoie une fois plus. J'avais cru comprendre qu'en fait, c'est juste que le personnage distribuait des coups automatiquement en attendant de t'ouvrir le menu. En gros, c'était un mode auto un peu, effectivement, à la FF12 avec des commandes. Voilà, je crois que ça n'a pas encore été montré. J'ai vu le menu avec les trois personnages de dos, mais peut-être okay, que... Ok, d'accord. J'avais cru que c'était une image promotionnelle. On verra. C'est quand même très beau. On poursuit également avec Nioh 2, qui était là, lui aussi. Nioh 2, ou devrais-je dire Nioh 1.5, puisque ouais. Ça se rapproche beaucoup, beaucoup, beaucoup du jeu d'origine. Avec les quatre postures, la différence, c'est qu'on pourra jouer à 3 en multijoueur, et non plus à 2. Donc ça permettra de parcourir l'intégralité du jeu avec deux autres camarades. Parce que la difficulté s'annonce toujours aussi impitoyable et on aura également la possibilité de se transformer momentanément en yokai, ce qui permettra d'activer de nouveaux pouvoirs, notamment un nouveau compte qui peut être fulgurant si on arrive à le placer. Mais comme la plupart du temps tu te manges quand même l'attaque dans la gueule et qu'elle te vide deux tiers de ta barre de vie, eh bien il faudra être particulièrement... Il faudra être particulièrement vigilant. C'est plus le numéro, c'est ça ? Là, c'est, tu choisis oui, c'est un peu comme dans The Surge. Là, tu analyses effectivement ton mec. C'est marrant que les deux Dark Souls-like se soient mis à laisser de côté leur héros pour passer. Donc voilà pour les jeux, on va dire, à retenir sur le salon. Il y en avait évidemment d'autres, mais je pense que c'est les quatre gros morceaux. Il y avait Project Resistance chez Capcom. T'oublies un qui a montré du gameplay quand même. Ah oui, Death Stranding, effectivement. Oui, mais Death Stranding, on n'a pas pu jouer. Oui, il n'était pas jouable. Mais c'est vrai qu'il était présent et qu'on a eu droit à trois segments de trois quarts d'heure. C'est vrai. Je ne les ai même pas regardés, moi, en plus, les gameplays. Parce que je veux pas me... Ah oui, c'est vrai, oui. C'est vrai. Il est bien là. Merci le père de ne pas oublier. Donc voilà, Death Stranding. Je n'oublie pas. Hideo Kojima nous a offert un petit peu d'aperçu et il s'est même lancé dans de grandes déclarations en disant qu'il fallait atteindre la seconde moitié du jeu pour enfin que ça devienne bien, ou en tout cas fun, et qu'on comprenne l'intégralité du propos. Là, moi, j'ai une question. J'ai vu des photos tournées donc, d'un stand Cyberpunk au TGS. Oui. C'est quoi la réception là-bas chez les Japonais des jeux CD Projekt qui sont quand même très occidentaux? Witcher 3 a eu un beau succès. Je crois que c'est Spike Chunsoft qui le distribuait. Ça a bien marché, il a eu une belle aura. Voilà. Donc, du coup, tu avais du monde qui attendait pour Cyberpunk. Oui, bien sûr. Ouais, des gens avaient envie soit de poser sur le stand, soit d'aller voir la démo. Dans le theater, mais doublé en japonais. Ok. Voilà. Voilà pour le Tokyo Game Show 2019, qui n'était pas forcément une édition très mémorable, il faut bien le dire, mais on est dans la fameuse année de transition, et on espère qu'en 2020, avec l'arrivée de la PS5, eh bien, il y aura beaucoup plus de choses à se mettre sous la dent. Voilà. Gageons que un autre salon qui s'apprête lui aussi à connaître poursuivre sa transformation, c'est l'E3, mon cher Florian. Ouais. Et on a eu des déclarations qui n'étaient pas forcément très encourageantes pour le côté journalistique de l'affaire. Ouais, alors, on va dire que la question de la fin de l'E3, c'est un serpent de mer depuis, peut-être beaucoup pour nous, journalistes, mais c'est quand même un serpent de mer depuis, on va dire, 10 ou 15 ans, puisqu'il a d'abord été question de déplacer le salon, puis de sa pertinence, tout simplement, de son existence, etc. En particulier, ces dernières années, que certains éditeurs ont retiré leurs billes et font leur truc pour sortir de l'afflux d'informations que constitue l'E3. Donc, on a Electronic Arts et Sony. Electronic Arts qui fait son truc, Sony qui fait son truc, Microsoft qui n'est même plus au Convention Center maintenant, qui est dans ses propres locaux juste à côté, certes juste à côté, mais voilà, Nintendo qui ne fait plus de conférences. Donc, au fur et à mesure des années, c'est vrai que le salon est un peu drainé de sa substance. Et là,
c'est probablement ce qui pourrait constituer le coup de grâce, on va dire. C'est un document, donc une présentation qui date du 16 août dernier, qui a été sorti par nos confrères de Game Daily, je crois, .biz exactement. Voilà, il y a la watermark, on a volontairement laissé, bien entendu, c'est leur taf. C'est donc une présentation à PowerPoint, en fait, qui a été présentée par l'organisation de l'ESA, donc l'Entertainment Software Association, qui organise l'E3, aux membres, à ses membres. Donc quand on dit ses membres, c'est les éditeurs, en fait, tout simplement. C'est ce qu'on appelle les. Donc, c'est un groupe de lobbying, le SA. Hein, donc, voilà. On peut juste revenir sur la slide d'avant qui est vraiment édifiante au niveau du discours. Voilà. Alors, voilà, j'allais décrire. Les gens ne connaissent pas forcément l'expression, mais. Je vais tout imager. J'ai mis les images à Hubert pour que ça tourne en attendant pour que les anglophones commencent à saisir la teneur du propos. Mais en gros, cette présentation-là est venue du feedback des membres, donc des éditeurs qui sont sur le salon. Et qui annonce donc un changement en profondeur dans ce qu'est l'E3, pas seulement dans la façon dont c'est organisé, mais dans ce que c'est. Festival d'influenceurs, moi j'aime bien. Alors voilà, la question c'est, pour résumer, c'est de faire de l'E3 un festival du jeu façon Gamescom. Je vais faire beaucoup ce signe-là qui est affreux parce que c'est des citations qui viennent de la présentation. J'ai lu une grande partie de la présentation que je ne vous ai pas collée là. Et en effet, la première, donc si tu peux la remettre, Hubert, celle qui est sur fond noir, qui raconte B2B, etc. Pour vous la traduire, et ce qu'allait dire Pouillot, c'est voilà. C'est donc l'E3 était un événement business, orienté business, pour concernant le jeu vidéo. Mais ça ne va plus être le cas, but no longer. On vous a écouté, on vous a entendu et on va évoluer. Et quand ils disent ça, ils parlent évidemment des éditeurs. Et donc l'idée, c'est donc d'en faire un espèce de festival du jeu, Gamescom-like festival, donc un festival du jeu à la Gamescom, ce qui implique plein de trucs que... À la Gamescom, sous-entendu, on va ouvrir toutes les vannes. C'est l'idée. En tout cas, c'est encore... Il y a quelques-unes qui ne sont pas forcément des trucs habituels de la Gamescom. Mais... Alors l'idée, c'est déjà de rajouter 10 000 tickets publics. Aujourd'hui, on en avait, depuis 2017, on en avait 15 000, qui étaient très très chers pour la plupart du temps. Ce qui reste relativement, enfin par rapport à la Gamescom. En relatif, on est très très bas. On est à peu près à deux, trois fois, plus de trois fois moins les plus gros salons du monde. Mais c'est pas tellement la question, c'est que en termes de ratio, on passe quand même à 10 000 tickets de plus là où on était à zéro. On a fait 0, 15 000, 25 000, c'est une accélération quand même assez drastique. Et au-delà de ça, au-delà de cette ouverture, c'est tout ce qui va tourner autour, c'est-à-dire en gros faire du salon un événement pour influenceurs, pour les réseaux sociaux, pour des choses comme ça. Si Hubert, tu peux me passer le plan, la proposition de plan qui, elle, a été validée apparemment par l'organisation de l'ESA. Voilà, en gros, là, ça serait le Chauffleur West. Donc, avec des expériences, exactement. Ils proposent 8 expériences au milieu des booths, donc des stands habituels. 8 expériences. L'idée, ça serait évidemment d'envoyer... Alors, à la base, ils avaient pensé à des deals payés avec des stars, avec des influenceurs, donc de les payer pour les faire venir et faire le buzz. Là aussi, je mets des... Alors finalement, ils ont annulé ça. Finalement, ce sera sur invitation, simplement. Donc, ils les invitent juste à venir. Il y a des exemples, type, on fait venir un basketteur des Lakers, qui sont juste à côté. Après, c'était déjà un peu le cas par le passé, sans être nommé de telle sorte. On est vraiment sur une évolution. En fait, juste là, c'est juste complètement assumé, et ce serait une orientation volontaire. Ils parlent de bosser avec des agences pour faire venir des acteurs, pour les faire participer à des tournois de jeux, pour les faire participer, pour les mettre en valeur sur les stands, etc. Donc, des 8 expériences, donc quand on commence à utiliser des mots aussi vagues, ça sent jamais... Très très bon. On parle d'événements planifiés, donc d'avoir, en gros, l'E3 aurait un planning public avec des événements comme ça, des trucs montés sur scène. Et puis après, voilà, il va y avoir tout le volet un petit peu moins reluisant, c'est-à-dire qu'on envisage très sérieusement de faire des partenariats avec des gros médias, sous-entendu des partenariats payés pour couvrir le salon. Je cite « maîtriser le message ». Il donne un exemple d'une émission américaine qui s'appelle Tech Impact, que personne ne savait être sponsorisée jusque-là et qui est, tout le monde s'est rendu compte, ah, il y a l'ESA derrière, ah d'accord, voilà, qui passe sur la Fox, je crois, et sur Bloomberg. Ils le prennent comme exemple, ils disent, ça a très bien marché, on veut faire ça, voilà, ils veulent maîtriser le message, maîtriser les canaux. C'est le genre de presse qui n'est pas censé sortir, ça. C'est, on est d'accord. C'est le genre de presse qui n'est pas du tout censé sortir, déjà parce que c'est une presse complètement lambda. Les noms et les adresses de 20 000 journalistes n'étaient pas non plus censés sortir. Exactement. Ça, je voulais
y revenir, mais... mais attends, si tu veux qu'on passe genre la frise chronologique de toutes les conneries qu'a pu faire le SA, mec, ça fait... Non, mais c'est parce que du coup, ils sont en train d'entamer des... Enfin, il y a des gens qui ont entamé des procédures judiciaires à leur encontre, ou alors ils sont déjà en procédure avec des médias comme PC Gamer, Rock Paper Shotgun, et énormément de médias américains très gros, et même européens, parce qu'ils avaient leaké effectivement 20 000 adresses. Je pense que les partenariats, en l'occurrence, seraient, on voit très bien vers qui ça irait vers IGN, je pense, ça irait vers Game Informer peut-être. Des gens qui le font déjà, quoi. Et du coup, au-delà de ça, là, on voit tout un volet aussi social media, donc on parlait d'influenceurs, etc. Ils parlent notamment de miser sur la génération des millennials, donc qui est très active sur les réseaux sociaux. Techniquement, dont on fait partie, ouais. Mais les millennials et la génération Z, ils en parlent très de manière très factuelle pour insister sur le social good, c'est-à-dire montrer ce que le jeu vidéo fait de bien. L'égalité. En résumé, c'est donner une portée encore plus mercantile à l'événement et faire en sorte que le message ne soit pas déformé, quel que soit le canal. C'est un truc qu'on avait déjà dit lors de notre vidéo de l'EA Play cette année, c'est que tout ce qui est organisé en marge du festival, Oui, mais là, c'est directement dans le festival. C'est un peu différent à l'organisation, voilà. De toute façon, ce qu'ils veulent simplement dire aux éditeurs, c'est vous faites votre fan festival à côté, c'est con, vous pourriez le faire chez nous. Exactement. On va vous faire des trucs avec des petites barrières, vous allez avoir votre expérience, votre unité. Exactement. Et l'important, c'est juste de les faire revenir. C'est le soubresaut avant de claquer, hein, ce qu'ils font. Enfin, une des fois où ils ont failli claquer. Mais oui, clairement. Après, la question sera de savoir est-ce qu'on sera. Ou jusqu'où ça va aller dans maîtriser le message. Est-ce qu'on sera accrédité pareil l'an prochain? Accréditable pareil l'an prochain? Alors, par exemple, il est envisagé qu'il y ait une journée professionnelle. Journée presse. Le mardi, ça sera le premier jour. Normalement, c'est le premier jour du salon. Ce qui serait du coup le même schéma que la Gamescom. Ils veulent vraiment. Le terme de faire un truc à la Gamescom, c'est cité dans la presse. Donc, c'est carrément ça. Mais du coup, ça pose vraiment la question de notre place en tant que journaliste là-dedans, de la place de la presse, en fait, et du fameux contrôle du message, quoi. C'est à quel point ce salon va rester intéressant et à quel point ce salon va pouvoir être encore un lieu où on va pouvoir découvrir des trucs. C'était déjà de moins en moins le cas. Surtout découvrir des trucs sans la moindre... Évidemment, sans la moindre interférence, voilà. On a bien compris. Parce que le but du jeu des éditeurs, c'est de se priver au maximum de tout intermédiaire qui pourrait éventuellement écorner L'idée des influenceurs qui seraient payés, l'idée de miser sur les réseaux sociaux, c'est évidemment de court-circuiter tout ça et de transmettre un message complètement contrôlé. Ça promet un printemps 2020 extrêmement radieux pour notre équipe de journalistes. Allez, juste pour le mix. À noter qu'une partie de ces décisions est encore en discussion entre l'organisation de l'ESA et les membres de l'ESA. Voilà. Affaire à suivre. Exactement. Dernier point, et dernier gros point, décidément cette émission va durer 3 heures, mais c'est ça qu'on aime. C'est évidemment la décision de l'UFC, la décision du tribunal de grande instance de Paris. Allez, vas-y, je t'en prie. Qui a donc validé la plainte de l'UFC Que Choisir. Voilà, l'UFC Que Choisir, en 2015, s'est attaqué à Steam, en espérant que ça crée du coup des effets ensuite et une jurisprudence sur les autres stores, les autres boutiques de distribution de dématérialisés, de jeux dématérialisés. Le but, c'était de mettre en avant 14 clauses d'utilisation de Steam qui seraient par accord avec la loi française, notamment sur la circulation des biens. Et donc, avec une clause en particulier qui est que Steam actuellement te refuse la revente de jeux dématérialisés. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était que le tribunal de grande instance valide le fait que Steam était dans l'illégalité sur plusieurs points. Et c'est ce qui vient de se passer, puisque le TGI de Paris, du coup, a affirmé que, je cite, « Steam ne peut plus s'opposer à la revente de cette copie, même si l'achat initial a été réalisé par voie de téléchargement. » Mais ça ne veut pas dire qu'il doit trouver une solution. Ça veut dire qu'il ne peut plus s'y opposer. Et du coup, comment faire? Du coup, ça pose énormément de questions sur qu'est-ce que Steam va faire, qu'est-ce qu'il pourrait faire, c'est-à-dire mettre en place un marketplace sur leur truc pour ce genre de choses. Évidemment, ce serait à leurs conditions s'ils faisaient ça, c'est-à-dire que ce serait à eux, par exemple, demain, de faire comme ce que tu as avec les cartes, mais pour revendre des jeux. Bien sûr, ils prendraient une commission derrière, parce que c'est Steam. Quoi qu'il arrive, si un jour ils réagiront de la manière crade qu'on imagine, hein, faut pas non plus se leurrer. Dans les autres clauses qui ont été reconnues problématiques, il y a le porte-monnaie, le fait que si l'argent accumulé sur le porte-monnaie, alors non seulement tu peux pas le récupérer quand tu veux, mais en plus Steam se réserve le droit de ne pas te le rendre si tu fermes ton compte Steam.
il y a des petites lignes qu'on n'avait pas lues, hein, même moi. et du coup, ça pose effectivement la question de la réaction, encore une fois, que pourrait avoir Steam, parce que s'il te propose demain de virer quand tu veux l'argent de ton porte-monnaie, quid des gens qui font du farming de chapeaux sur TF2, par exemple, qui pourraient du coup en faire un métier. C'est déjà le cas, mais par, oui, coup, oui, par voilà. Des moyens tiers mais qui sont moyen externes à Steam. Voilà, exactement. C'est des gens qui vivent de la vente de chapeaux. Mais du coup... comme les chapeliers, par exemple. Donc l'appropriation de mode de la communauté par Steam, par exemple, est un problème également aux yeux du TGI, tout comme le fait qu'ils refusent d'assumer les dommages qui pourraient être occasionnés par l'utilisation de leurs jeux, notamment leurs jeux en bêta, et notamment les dommages sur les PC. Tout simplement, hein, des trucs qui, voilà, des trucs, vu que leur système de vérification des jeux est généralement double-clic, bon, bah, il s'est lancé, on le met en ligne. Après, effectivement, ça, on a eu des cas de jeux qui pouvaient avoir des problèmes par rapport à ça. Mais du coup, évidemment, Steam a fait appel, puisque c'est la première chose que tu fais quand le TGI décide. Tu dis oui, mais moi, du coup, là, si je fais appel, du coup, ça repousse la procédure de combien de temps? Entre 1 et 3 ans. Bon, ben, 3 ans, c'est quand même déjà pas mal pour se retourner, ça va permettre d'eux. Et une fois que cet appel, enfin, si cet appel, une fois que si le TGI retranche en faveur de l'UFC que choisir, de la plainte de l'UFC que choisir, il faudra réagir. Et contrairement à ma première réaction qui était de dire, attends, c'est Gabe, il va juste faire Balek, et puis il va payer sa dîme, enfin une amende, on va dire, annuelle. C'est un peu plus compliqué que ça, parce que la première amende que là, on leur impose, c'est 30 000 euros. Ce qui correspond à 4 chapeaux TF2. Hein. Voilà, 4 chapeaux TF2, évidemment, c'est pas grand-chose. Mais également, alors attention, je me suis un peu... ils ont une... Attends, je veux pas dire de bêtises. Voilà, c'est l'astreinte, j'arrivais pas à me relire. Voilà. De 6 000 euros. 6 000 euros, je crois. C'est pas 6 000 euros ? Moi, j'ai 3 000. Ah, bon. Quoi qu'il arrive, sur 6 mois, par jour de retard, sans s'être mis en conformité avec ce que demande le tribunal des grandes instances, c'est entre ou 3 000 ou 5 000. Ce qui fait quand même, voilà, on part dans les centaines, on part doucement vers le million, vers le demi-million d'euros sur 6 mois. Et à l'issue de ces 6 mois, on pourra ressaisir le TGI pour redemander une nouvelle astreinte. Donc c'est-à-dire qu'il faut réagir en fait. Le truc c'est qu'ils ont pas, ils sont pas censés, c'est ce que tu disais au début, ils sont pas censés donner les moyens d'eux. Ils sont pas censés créer un marketplace pour les machins. Ils sont juste censés dire s'il y a un mec qui vend, ne pas dire non. Mais la question c'est comment ils vendent. Et comment revendre, c'est ça la question. Est-ce que c'est juste... Sur Steam en l'état, les jeux ont déjà un item dans l'inventaire, au même titre que les chapeaux, les cartes, les couteaux de CSGO. Tu peux dématérialiser un jeu de ta... de ta liste pour le mettre dans ton inventaire et l'offrir en cadeau. Par exemple, quand tu achètes un jeu sur la boutique, tu peux avoir dans ton inventaire un jeu. Maintenant, du coup, t'as pas encore la fonction pour, par exemple, dans ta bibliothèque, si tu veux... Mais c'est ça. Le truc, c'est que est-ce que le fait qu'ils ne mettent pas en place les moyens, c'est considéré comme une opposition? C'est ça, la question. Tu vois ce que je veux dire? Et je crois que, pour l'instant, pour l'instant, même s'il suffirait pas juste d'enlever la ligne, en fait. Voilà, en revanche, il y a une petite technicalité, comme ça, de texte qui leur permettrait de se retourner par rapport à ça. Alors, évidemment, pas forcément sur tous les territoires, parce que je crois que c'est en 2017 que, justement, une plainte similaire aux États-Unis a abouti à l'inverse. C'est-à-dire que c'est conforme à la loi américaine. Faut savoir aussi qu'il y a des choses, il y a des plaintes qui ont été menées dans des petits pays, comme nous, qui ont forcé Steam à changer sa politique sur le monde entier, comme par exemple les remboursements, ça vient d'une plainte qui avait été déposée par un organisme de consommateurs en Australie, et ça a abouti à un nouveau service de refund qu'on connaît. Donc ils pourraient se retourner sur juste la France et potentiellement l'Europe, ou ils pourraient mettre en conformité tout ça au niveau monde en changeant de modèle, comme par exemple pour en fait contourner cette fameuse demande qui leur est faite, puisque c'est de la revente et c'est de la possession de jeu, ce serait de dire oui mais là on les vend plus, on te permet de le louer sur 10 ans par exemple, et du coup ils deviendraient de l'abonnement. Et ce serait une possibilité pour eux de réorienter, sans que ce soit, tu le sentes vraiment, de réorienter leur activité un tout petit peu, leur modèle économique, de manière à ce que ce soit en conformité. Du coup, il y a toute une nomenclature, un vocabulaire à adapter, un truc. Sachant qu'il faut aussi, à chaque fois on le redit, mais on va le redire, sur Steam, on n'achète pas un jeu, on achète une licence d'exploitation d'un jeu. Exactement. Oui. Voilà. Ce que le tribunal de grande instance a reconnu comme un achat, malgré tout. Oui. Mais ça, du coup, c'est peut-être aussi une zone grise, c'est que tu as l'impression d'acheter ton GTA ou ton machin. Voilà, j'imagine que du coup, ils sont penchés dessus un bout de temps. Ils considéraient que c'était la même chose. Cet achat-là pour eux et le fait que ça soit par voie de téléchargement et que ce soit une licence, tu dois être en capacité de céder ta licence. Là où c'est important, c'est que cette décision pourrait faire tache d'huile et donc s'étendre à tous les autres services. Donc on imagine que les autres acteurs du jeu vidéo qui avaient trouvé ici un bon moyen de contourner tout ce qui est marché d'occasion
eh bien, face à tire un petit peu la gueule, effectivement. Donc, voilà, il y aura... Donc ça, évidemment, ça doit être effectivement surveillé par tous les, ouais. Par tous les gestionnaires de store, voilà, que ce soit aussi bien Nintendo que Sony, que Xbox, que Ubisoft, voilà, tous ces launchers. Et on rappelle, en revanche, il y aura un autre débat à avoir le jour où on saura exactement ce qu'il arrivera après l'appel, si jamais c'est reconduit après l'appel, ce sera l'impact sur le jeu vidéo, notamment indépendant. Parce que bon, les gros éditeurs, voilà, ça va pas non plus refaire un trou dans le porte-monnaie, mais le fait d'avoir un nouveau marché entre les marchés habituels pour le développeur indépendant qui a déjà tendance à pas vendre son jeu suffisamment cher par rapport au boulot qui est mis dedans, ça forcerait peut-être à monter les prix pour compenser ou à trouver des solutions. Faudra voir aussi, comme je disais, si par exemple Steam mettait en place, j'ai l'impression, c'est vraiment très bizarre de les imaginer créer un nouveau marketplace juste parce que un pays leur a dit, voilà, ça semble particulier. Mais du coup, la question de la commission impacterait aussi la manière dont on vend et dont on fabrique et dont on market des jeux indépendants demain. Donc voilà, on verra d'ici, comme je disais. C'est vraiment une affaire à suivre, mais... Oui, il y aura plusieurs étages après la cour d'appel. Le jeu d'Ocas, elle a vendu 3 balles sur G2A, ça va être magnifique. Ça va être vraiment splendide. Oui, effectivement. Ça aura évidemment donc beaucoup de conséquences que l'on suivra sur Gamekult. J'imagine dans l'émission, on aura largement l'occasion d'y revenir. On va clore donc ce point news qui a été massif. Et on va attaquer le premier jeu. Et quel jeu ? C'est Borderlands 3 avec toi, Nodus. Et ce sera juste après cette petite bande-annonce. Bon, l'avantage, Nodus, c'est que Borderlands 3, tu vas nous le faire vite, puisque ça ressemble beaucoup à Borderlands 2, et il y a quand même quelques petites nuances, j'imagine. Oh là là. Tu commences très mal ce segment. Bah oui, voilà, oui, mais j'avais envie de te lancer un petit peu, te piquer, d'arriver avec ma... Avec mon javelot. Effectivement, ça ressemble beaucoup à Borderlands 2, puisque c'est la même recette, à savoir un hack and slash à la Diablo, mais en vue FPS, avec des trousillons d'armes dont les statistiques sont générées aléatoirement. Plusieurs nouveautés donc. La première que je vais évoquer, c'est celle-ci, donc ce qu'ils appellent la vue galactique. Alors c'est un joli nom très très pimpant pour dire qu'en fait... On a joué à Destiny 2 et à tout un tas d'autres jeux qui te permettent de voyager sur différentes planètes. En fait, t'as la même structure que Borderlands 2 et Borderlands 1, à savoir des grandes zones comme celle-ci, qui sont en fait ni plus ni moins que des donjons de hack and slash. Il faut vraiment imaginer ça comme un Diablo. Sauf qu'ils sont répartis maintenant sur différentes planètes. Donc t'as Pandore qui était la planète de base de Borderlands 1 et 2. Tu vas avoir Prométhée, tu vas avoir Eden 6 qui est cette planète-là. Tu vas avoir également... T'as dont j'ai oublié le nom, mais enfin... En fait, est-ce que t'as un intérêt à revenir de l'une à l'autre ? Puisque dans chacune de ces zones, comme c'était le cas dans Borderlands 2, t'as différentes quêtes. Donc t'as la quête principale qui, elle, peut t'occuper entre 25 ou 30 heures. J'y reviendrai, mais c'est un jeu qui est très généreux en termes de contenu. Et t'as aussi donc des PNJ, des marqueurs d'objectifs, etc. pour faire des quêtes secondaires qui peuvent être des contraintes d'assassinat, aller récupérer n'importe quoi, aller livrer des pizzas, aller récupérer des bouts de burger, aller libérer un mec qui est coincé dans les chiottes, enfin, plein de trucs comme ça qui sont des quêtes à la Borderlands. On sent déjà une finesse. On sent une finesse. Dans tes exemples. On va y revenir. Mais donc ça, c'est la structure est la même. Le voyage galactique, il sert pas à grand chose. Vraiment, il y a juste une fonctionnalité en plus qui est le Sanctuary, qui est un vaisseau qui est comparable un petit peu au sous-marin dans, par exemple, Wolfenstein 2, qui va en fait agir comme un hub entre les missions où tu peux acheter des armes, vendre tes armes, parler au PNJ, modifier ton personnage, acheter du cosmétique, ce genre de conneries. Que là, du coup, tu peux faire entre les missions. Le jeu t'amène assez fréquemment à revenir entre les missions dans le vaisseau. Et c'est un jeu qui met beaucoup beaucoup d'emphase sur le fast travel, puisque c'est des zones qui sont assez grandes et c'est très très chiant de marcher entre les zones. Donc, assez logiquement, tu peux en faisant start, fast travel n'importe quel moment, pendant les missions, avant un boss, après un boss, à n'importe quel moment, ça c'est plutôt cool. Tu voyages plutôt bien.
4 nouveaux personnages, du coup, oui, incarnés. Tout à fait. Est-ce qu'ils se distinguent? Est-ce qu'ils sont vraiment cool à prendre en main, tous? Ils sont tous différents à prendre en main, comme c'était le cas dans Borderlands 2. Il y en a un qui fait son grand retour, c'est la sirène, qui là s'appelle Amara, donc qui peut, on rappelle, phaser dans le temps, prendre les ennemis, etc., et se rendre invisible. Tu as également Zane, qui lui va pouvoir invoquer des images miroirs de lui-même, un petit peu comme des clones, utiliser des drones et des gadgets, ou mettre une barrière. Flak, que moi j'ai joué durant ma partie, qui est ce gars-là qui se présente comme le roi des bêtes. Le roi des bêtes parce qu'il peut invoquer des familiers au nombre de 3. Un qui va rendre ta vie, enfin te rendre de la vie, un qui va infliger des dégâts et un autre qui va augmenter ta vitesse de déplacement. C'est un familier avec un fusil à pompe à la main qui va tirer sur les gens. Les 3 en même temps, tu peux les invoquer? Alors non, tu peux en avoir un, enfin tu en as un à la fois, mais tu peux switcher en permanence. Ouais. Tu peux choisir et tu peux les améliorer dans les arbres de compétences. C'est pareil que dans le 2, t'as 3 arbres, t'as 3 skill trees par personnage. Et les 3 peuvent être mêlés, t'es pas obligé de maxer l'arbre rouge, l'arbre vert ou l'arbre bleu, tu peux mélanger les 3. Et d'ailleurs le jeu t'incite fortement à mélanger les 3, puisque pour un même personnage, tu peux créer 4 ou 5 styles de jeu différents. Par exemple, Flak, si je voulais faire un... Là, à la fin, en fait, j'ai respect mon perso. Tu peux à tout moment reroll ton arbre et redistribuer tes points, merci. Et donc là, à la fin, par exemple, moi, au début, je jouais beaucoup familier. À la fin, je me suis dit, ça m'emmerde un peu, donc je vais jouer corps à corps. Et donc, j'ai fait un archétype de compétence qui me permettait, en fait, quand mon bouclier tombait à zéro, d'infliger 300% de dégâts corps à corps en plus. Donc, du coup, j'étais beaucoup plus mobile. C'est intéressant. Il y a énormément d'embranchements dans les spécialisations possibles, ça c'est très bien, et c'est vraiment très très chouette, c'est une amélioration par rapport à Borderlands 2 qui était déjà généreux sur ce point, mais là ça l'est encore plus. C'est aussi, comme Borderlands 2, un jeu qui mise beaucoup sur le jeu en coopération, puisque en jouant à 2, 3 ou 4, tu vas pouvoir mêler justement ces compétences, créer des synergies entre les persos. Par exemple, tu vas avoir la sirène qui pourra prendre les ennemis à revers pendant que Flak va tanker avec sa familier, tu as Zen qui va pouvoir invoquer des leurres et donc du coup prendre l'aggro des ennemis. Enfin, c'est énorme. Il y a énormément de choses comme ça qui mettent l'emphase sur la coop. Tu as aussi donc Flak par exemple qui a des fonctionnalités directement pour rendre de la vie à ses potes par exemple. C'est assez cool à ce niveau-là. Le nombre d'ennemis s'ajuste ou le niveau? Alors, ou ça, parce que ça doit être... Au niveau du donc, ce qu'on appelle le scaling, donc l'ajustement automatique des niveaux, etc., en fonction du nombre de joueurs, c'est assez bien fait et assez, assez limpide. En fait, tu ne le vois même pas. On avait essayé avec Gauthier lors des GK Live qu'on avait fait la semaine dernière. En fait, lui avait commencé niveau 1, moi j'étais déjà niveau 14 ou 15 je crois. Donc Gauthier, niveau 1, avait rejoint ma quête en cours qui était une quête de niveau 15. Et en fait, le jeu, ce qu'il va dire à Gauthier, c'est ben voilà, tiens, les ennemis qui sont les mêmes, on voit les mêmes ennemis, sauf que pour Gauthier ils sont niveau 1 et pour moi ils sont niveau 14. On inflige des dégâts qui sont proportionnels à ton niveau et les ennemis t'infligent aussi des dégâts proportionnels. Ce qui veut dire que tu prends aussi une expérience proportionnelle et qu'il est impossible de débouler un an après et te faire pull par tes potes du niveau 1 au niveau en quelques heures. Ça, c'est... Enfin, en tout cas, s'il y a deux modes, tu dois pouvoir. T'as le mode compétitif où là le loot il est partagé entre les différentes personnes et t'as le mode coopératif où là c'est instancié, c'est à dire que si on est en coopératif, je vais ouvrir un coffre, moi je vais voir dedans un fusil à pompe et Gauthier va voir un lance-roquette, je sais pas. Donc ça c'est deux modes assez cool. Ça fonctionne toujours aussi bien en coop. Vraiment, imaginez Borderlands 2, mais plus, More of the Same. La recette fonctionne toujours aussi bien. T'as toujours ce... Enfin, moi, c'est pour ça que j'y joue, en fait. C'est ce plaisir primaire de voir remplir des barres d'XP et ce plaisir primaire de voir des mobs dégueuler du loot de différentes couleurs, parce qu'il y a encore ces différents niveaux de rareté. Ce qui me permet aussi d'évoquer l'une des grandes forces du jeu, encore plus que l'était Borderlands 2, c'est son weapon design. Vraiment, ils ont comme à chaque fois, ils craquent vraiment sur les effets des armes. T'as différents constructeurs d'armes à feu, chaque constructeur va avoir des effets différents, et chaque arme a des effets différents, inflige des dégâts élémentaires, des dégâts de feu, des dégâts de glace, d'électricité, de poison, etc. Vraiment, encore une fois, comme dans un Diablo. Et t'as toujours ce moment très très intéressant où tu vas revenir de ta quête, tu vas rendre ta quête, tu vas pécho de l'XP, tu vas ramasser de l'argent, etc. Et tu rentres à la base et tu découvres que dans ton sac à dos, t'as 1 milliard d'armes que t'as ramassées durant la quête. Et tu vas t'amuser à tirer avec ces armes et à voir ce qu'elles font. T'en as qui balancent du feu, t'en as qu'il faut charger, t'en as qui avec lesquels il faut viser, des lance-roquettes qui vont tirer d'autres lance-roquettes, des armes du constructeur, je sais plus c'est lequel, c'était Dior. Ces armes-là, lorsque tu les recharges, en fait, tu fais un double carré sur la manette, et en fait, tu vas balancer l'arme au sol, elle va avoir différents effets, soit elle peut s'envoler et agir comme un missile, soit elle peut se mettre à marcher, soit elle peut s'ensembler en tourelle. C'est très cool, il y a beaucoup plus de niaque que dans Borderlands 2, ils ont pas mal peaufiné les bruitages et le comportement des armes. Au-delà de l'esthétique, chaque arme amène vraiment un mode de jeu différent. Peut-être pas non plus un mode de jeu, mais vraiment un style de jeu différent.
Par exemple, là, ça, c'est un fusil à pompe qu'il faut charger. Il a deux modes de tir, corrosif ou incendiaire. Et ça t'incite vraiment, enfin, ça modifie la façon dont tu te déplaces sur le champ de bataille. Il y a vraiment des trucs intéressants avec les armes. Et c'est l'un des points forts du jeu. Et c'est bien qu'ils aient pas. Ouais, je confirme que même si t'as l'impression parfois de blaster des barres de vie d'ennemis, il y a quand même toujours des bonnes sensations. T'as ce syndrome des éponges à balles. Hein. C'est de toute façon comme dans un The Division ou comme dans n'importe quel jeu du genre. Mais c'est aussi pour ça qu'on joue à Borderlands. Les boss, parfois, j'ai passé, bon après c'est parce que j'ai joué en solo la plupart du temps, j'ai parfois passé une demi-heure sur un boss à gratter les 5 barres de vie qu'il avait. Mais c'est aussi pour ça qu'on y joue, parce que c'est un Diablo justement, et parce que gratter les barres de vie ennemies, ça fait partie du truc. D'ailleurs, au niveau des boss, tant que j'y pense, pas mal de bugs, pas mal de soucis techniques d'ailleurs à la sortie du jeu, mais j'ai eu deux bugs majeurs sur des boss. Le premier, c'était une grosse boule qui est le deuxième ou troisième boss du jeu. Je me suis caché derrière un couvert et la boule, elle a arrêté de bouger. Et j'ai quelle version? PS4, PS4 Pro. Après la sortie, hein, pour rappel. Après la sortie, ouais. Puisqu'on avait récupéré le jeu par nos propres moyens, on l'avait acheté. Et donc la boule s'arrête de bouger. Et elle avait 4 barres de vie, j'ai pu juste lui gratter sans qu'elle puisse rien dire. Et deuxième bug qui était, lui, beaucoup plus intéressant à regarder, c'était un mob qui en fait était dans un théâtre. Il se téléportait, donc dès que je m'éloignais de lui, il se téléportait. Et si j'avais le malheur de passer derrière un mur, bah, il se téléportait, mais dans le mur. Et il les réapparaissait pas, donc du coup j'ai dû relancer le boss 3 fois, ce qui est plutôt chiant. Et donc à chaque fois, recommencer le boss du début, c'est vraiment très très casse-couille. Il y a pas mal de problèmes techniques et parfois des équilibres de quêtes. T'as des quêtes qui vont se lancer au niveau 12-13 et tu as un boss qui va être niveau 16, tu comprends pas forcément. Et il y a des murs de difficultés en solo, parfois qui peuvent se poser devant toi. Après t'as pas eu beaucoup d'obligations à farmer non plus, et puis tu jouais solo donc finalement... Non, t'as pas eu d'obligations à farmer. Si tu suis la quête principale, ça va, c'est assez limpide et la courbe est plutôt smooth comme d'habitude. Après voilà, j'ai aussi dans chaque zone, je me suis laissé le temps de faire des quêtes secondaires, parce que c'est aussi ce qui fait un petit peu la force de Borderlands, c'est la variété de ces quêtes secondaires, ben, du moins de ces personnages et des situations. Il y avait une quête où il y avait un robot barista qui voulait que j'aille récupérer du café, une quête où un mec était bloqué dans les chiottes et il fallait que j'aille récupérer une puce pour le libérer, enfin des trucs comme ça. Ce qui me permet d'évoquer l'un des autres points du jeu, c'est son écriture et ses dialogues. Borderlands, c'est jamais une série qui a brillé par sa finesse, même si Borderlands 1 et particulièrement Borderlands 2 avaient des personnages, avaient des punchlines, des dialogues qui vraiment restaient en mémoire. On se souvient tous du BoJack, on se souvient du Claptrap qui à chaque épisode est l'un des personnages les plus mémorables. Il y a eu sans forcément que ce soit un jeu très fin, il y a eu des coups de génie dans les dialogues et les personnages. Là, je sais pas ce qu'ils ont foutu, mais vraiment, il y a un écart assez alarmant entre Borderlands 2 et Borderlands 3 en termes de qualité d'écriture des personnages. C'est un jeu qui, comme Borderlands 2, parle tout le temps. Sauf que le problème, c'est que dès qu'il veut ouvrir sa bouche, il fait très mal et ça devient chiant. L'humour, en fait, tombe assez rapidement dans le grossier, dans l'humour pipi-caca. T'as des gamines de 12 ans, parce que c'est... Oui, ça, j'ai pas précisé non plus, mais c'est une génération de chasseurs de l'arche qui est plus jeune que celle de Borderlands 2. Même les deux ennemis, en fait, donc Tyrion et Troy, sont des ados, enfin des adolescents, dira-t-on. Et en fait, ce sont deux streamers, c'est deux live streamers. En fait, voilà, ils passeront le plus clair du temps dans le jeu à arriver dans tes oreilles, à gueuler, à t'insulter. Enfin, ils sont particulièrement agaçants. T'as des gamines de 12 ans qui vont, lorsqu'elles ouvrent une porte, la porte s'ouvre pas, elle va lui dire ta gueule salope. Enfin, vraiment des trucs. Alors, justement, c'est. Il y a parfois des gens qui jouent à Borderlands pour son histoire et son lore et ses personnages. Là, j'ai pas du tout retrouvé ce que j'avais trouvé dans Borderlands 2. Vraiment, il y a des moments où j'ai hésité. Malheureusement, je pouvais pas parce que pour le test, il fallait que j'écoute. Mais j'ai hésité à couper les dialogues et à couper les voix et les sous-titres parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment alarmant. En fait, il y avait dans Borderlands 2 ce syndrome de la côte étalon du cul, qui était cette réplique lâchée par. Je sais plus si c'était Claptrap ou juste... Ouais, Claptrap. Qui était resté en mémoire parce que c'était rigolo. Étalon du cul, c'est rigolo. Voilà, c'est marrant, c'est prout, on rigole. Sauf que là, ils se sont dit, ok, ça va marcher. On va faire 40 heures d'étalon du cul. Et à chaque phrase, il y a une vanne. À chaque phrase, on t'insulte, ça gueule. C'est vraiment... C'est un jeu qui est gueulard, qui est braillard et qui est vraiment lourdingue, en fait. Et c'est agaçant. Pourtant, vous savez tous que j'aime, je suis très friand de l'humour prout et du comique de répétition. C'est bizarre. Sauf que là, c'est mal fait. C'est bizarre que d'une part il y ait une forme, même si c'est mal fait, un peu de critique ou en tout cas de dérision autour de cette culture internet très braillarde, etc. Avec par exemple les méchants qui sont des streamers,
et de reprendre ça en fait à son compte pour tout le reste de l'écriture du jeu. Alors est-ce qu'il y a une distance mais qu'elle est mal mise en fait? Est-ce qu'on la comprend pas? Quand moi quand tu dois mettre Balex le robot peluche dans le zizi d'un mecha pour aller battre Geneviève, oui non mais du coup c'est il y a aucune distance. En fait le truc Béran, si tu me permets, parce que je regardais jouer pas mal, on a eu le temps d'en discuter pas mal. Le truc c'est que la comédie c'est un métier. C'est basé sur du rythme, c'est basé sur de la technique, sur des préparations, des trucs qui arrivent plus tard. Voilà, c'est. Voilà, par exemple, les meilleurs qu'on ait jamais vus, hein, d'ailleurs. C'est avant tout un métier. Mais là, en fait, le truc, c'est que c'est dépossédé entièrement de son principe rythmique. C'est-à-dire qu'il y a une frénésie de se dire, dans cette phrase, il n'y a pas de blague, il faut qu'on en mette une. Et parfois, c'est pas une blague, c'est juste mettre un prout. Ou mettre un truc genre, c'est vraiment les mots interdits par la maîtresse. Il en faut un à chaque fois dans la phrase. Et du coup, en fait, il y a une sorte de, ça crée du bruit quand tu joues. Ça passe au-dessus de toi et t'as l'impression qu'on te verse juste du truc, de la pâte à prout dans l'oreille comme ça. Mais t'as pas vraiment les mots. T'as pas vraiment les mots de ce que le jeu est en train de, il est pas en train de raconter des trucs. T'as l'impression que c'est des placeholders pour les mots interdits par la maîtresse, comme je disais. C'est là la phase humour. Et en fait, c'est, voilà. C'est du bruit blanc. C'est chiant. C'est du bruit blanc. Et t'as un moment dans le jeu où je me suis surpris à me dire putain, mais en fait, ça fait 4 heures que j'écoute plus ce qu'ils me disent. Et juste, je tire sur les mobs et ça me plaît parce que la recette de Borderlands, c'est toujours un truc qui est solide de ouf et ça fonctionne et c'est plaisant et c'est gratifiant et c'est. Je suis persuadé qu'en plus là-dedans, il doit y avoir quelques vannes extrêmement qui sont tuées en fait par les. Étouffé par le reste, quoi. T'as des très bonnes vannes et t'as des quêtes qui sont rigolotes. Enfin, t'as une quête où je devais arriver à un mariage et tuer chacun des membres du mariage. T'as des quêtes qui sont rigolotes et des fulgurances en termes d'humour qui malheureusement se retrouvent noyées dans un flot de merde permanent. Parce que ça peut aussi être une chambre d'écriture, je pense, Borderlands. C'est-à-dire que. Un labo, oui. Ouais, voilà. C'est plus un laboratoire. Avec beaucoup de drogue. Il doit y avoir plein de gens. Oui. Du coup, je pense que ça doit aussi faire varier le. Alors, il y a aussi deux, trois points que j'ai pas évoqués. Au niveau justement de l'histoire, etc., parce qu'il y a des gens qui jouent à Borderlands pour son histoire. Ce qui est très bien, c'est que là, en fait, ils ont conscience qu'ils ont un univers, qu'ils ont un lore, qu'ils ont des personnages et qu'ils ont en fait une vraie famille de personnages et de visages. Et Borderlands 3, durant les 10-15 premières heures, c'est un maxi best-of de tout ce que tu peux trouver dans Borderlands. À chaque mission, à chaque mission de la quête principale, pardon, tu vas avoir des occurrences et des apparitions de personnages que t'as déjà vus. T'as Zero qui va apparaître, t'as Lilith, enfin tous les personnages, même les personnages de Tales from the Borderlands, de Telltale. C'est vraiment le maxi best-of de Borderlands et ils compilent tout ça dans un truc de fanservice qui est pour le coup assez agréable. Si t'as joué à Borderlands 1 et 2 et que tu suis la série, Borderlands 3 c'est tout ce que tu veux en fait en termes de personnages et de gameplay. L'humour, voilà, c'est un autre truc, mais on aime ou on aime pas. Et il y a un autre truc aussi qui me plaisait pas mal, c'est moi j'avais beaucoup de mal avec le style graphique de Borderlands 1 et 2. Il y avait une palette de couleurs qui oscillait entre vomi et hépatite B. Là, c'est un peu plus net, même beaucoup plus net, parce qu'ils sont passés sur l'Unreal Engine 4. Alors, au niveau des éclairages volumétriques, au niveau de la finesse du cel shading, peut-être qu'on là on le voit pas, mais le trait en fait des textures est beaucoup plus fin qu'auparavant. Les lumières, les effets de particules, tout ça c'est beaucoup plus travaillé et ça fait vraiment plaisir à voir parce que Borderlands maintenant c'est un jeu qui a de la gueule. Il avait de la gueule aussi auparavant, mais le cel shading divisait beaucoup, moi j'aimais pas à titre personnel. Là c'est difficile de ne pas reconnaître le talent en fait dans la direction artistique du jeu et là c'est beaucoup plus lisible qu'auparavant et c'est vraiment très cool, le step-up graphique est assez appréciable. C'est aussi un jeu qui est plus mobile légèrement puisque tu peux glisser en appuyant sur rond en sprintant, tu peux maintenant gravir les obstacles. Voilà, là on voit ce syndrome gratter les barres de vie. Hein. Ça fait une demi-heure que je suis en boss, mais c'est normal. Une barre de vie, ça m'aurait rendu fou comme ça dans The Division parce que c'est des humanoïdes. Là, avec l'univers du jeu, les mecs qui sont branchés sur des bonbonnes de gaz et des machins. Genre, et t'as toujours, comme dans The Division, t'as toujours un point critique. Voilà, en l'occurrence, je crois que c'est ses épaulettes ou derrière. T'as toujours un point critique sur lequel taper et quand tu joues en coop, ça prend vraiment tout son sens puisque t'as un mec qui va prendre l'aggro pour tirer devant, l'autre qui va le contourner, qui va mettre des coups critiques. Enfin, c'est vraiment vraiment un très bon Diablo-like et c'est ce qu'on voulait. Quand je faisais les lives la semaine dernière, j'ai eu beaucoup beaucoup de personnes qui s'étonnaient de voir un Borderlands 2.5. C'est vrai, on peut pas le nier. Il y a assez peu de nouveautés en termes de gameplay, c'est vraiment la même chose. Voilà, en dehors des mouvements supplémentaires et des types d'armes supplémentaires, etc., ça reste le même jeu. Mais c'est exactement, moi personnellement, ce que je lui demandais. Est-ce que les gens qui ont aimé Borderlands 2 lui demandaient. Et c'est 35-40 heures de Borderlands en plus. D'autant que, malgré ses défauts liés à l'écriture, etc., qui pour le coup là sont assez infâmes, c'est un jeu mais qui est vraiment très généreux. À chaque fois tu crois que c'est fini, en fait le jeu te prend, en fait non, t'en as encore pour 20 heures. L'histoire principale tu peux la finir en 25-30 heures, donc là à ce moment-là tu vas être au niveau
31-32, mais le cap de niveau, c'est niveau 50. Donc après ça, tu vas pouvoir voilà, donc arriver dans le sanctuaire, donc ça c'est le vaisseau. Hein. Avec l'effet qu'on n'a jamais vu dans aucun film d'espace, hein, évidemment, l'effet de l'hyper-espace. Et donc en fait, une fois que tu as fini l'histoire principale, t'arrives dans le, donc, tu retournes dans le sanctuaire, tu peux activer donc, ce qu'ils appellent le... je l'ai en anglais mais je l'ai pas en français, le True Vault Hunter, qui va être le mode en fait où tu vas pouvoir refaire, c'est un new game plus, tu refais ta campagne avec des ennemis plus puissants et du loot différent, mais tout en gardant tes capacités. Tu peux aussi activer ce qu'ils appellent le KO 1, 2 ou 3, qui là va modifier la difficulté, et plus tu mets de KO, plus ton loot sera intéressant, t'as des points de des points de chasseur à la fin qui vont, enfin des jetons de chasseur qui vont là te permettre d'améliorer encore plus cette arme de compétence. Enfin, en fait, le vrai jeu Borderlands commence après ta première run, et c'est un jeu qui, moi en fait, je pense que je vais me le prendre sur PC, et il va m'occuper facile 200-300 heures. C'est... Oui, c'est comme ça que les gens jouent à Borderlands, voilà, c'est des énormes temps de jeu. Plus généreux en termes de contenu. Tu fais en coop. C'est, enfin, en dehors de Borderlands 2 et sa myriade de DLC, là c'est comment dire, en termes de jeu de base, c'est le Borderlands de base le plus généreux en termes de contenu. Tiens, je vois les petits ralentissements, ça me permet d'évoquer aussi la technique du jeu. Donc là, moi, j'ai joué sur PS4. D'abord PS4 Fat et ensuite PS4 Pro. Les versions Pro et One X disposent de deux modes différents, donc le mode performance et le mode graphisme. En graphisme, sur Xbox One X comme sur PS4 Pro, t'es sur un 30 FPS qui n'est pas forcément stable du tout. Le jeu est légèrement plus fin au niveau des ombres et des éclairages, mais privilégier le mode performance, qui lui est beaucoup plus fluide. T'es aussi entre un 45 et 60 FPS. T'as jamais vraiment le 60, stable et fixe. En revanche, c'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus agréable, sans que le jeu soit moche. C'est un jeu qui est très beau, même sur PS4 Fat, c'est vraiment, j'étais étonné de voir à quel point il tourne bien et est bien optimisé sur PS4 Fat, sauf encore une fois en mode graphisme où là c'est dégueulasse. Les chargements ont l'air longs. Celui-là ça va, mais quand t'es arrivé tout à l'heure sur le monde. Ouais, non, ils le sont parce qu'il va charger toute la zone d'un coup. Après, ouais, sur console, les menus RAM, ça me rend ouf. Il faut désactiver dans les options le tout connecté social, pour que le jeu arrête de se connecter à tes potes et que les menus ne rament pas. Et encore, ils rament encore. C'est... D'ailleurs, les menus rament en écran splitté, parce qu'on avait joué avec Gauthier en écran partagé sur la PS4 Pro en mode performance. Et même en mode perf, les menus, en fait, quand l'un des deux joueurs en écran splitté rentre dans les menus, l'autre doit... Ah oui, d'accord. Ouais. Ouais. L'autre lâche la manette. Parce que l'autre perd... t'as des saccades et l'autre perd 10 FPS, c'est absolument horrible. Et tu peux pas jouer, en fait. Si ton pote est dans l'inventaire, tu peux pas jouer. Est-ce qu'on avait déjà activé le mode, justement, social, machin? Ça, je l'ai vu après, mais c'est pareil. C'est pareil. Les menus continuent de ramer. Ils rament légèrement moins, mais les menus continuent de ramer. Je sais plus ce que j'avais... Non, mais voilà, je pense que t'as largement couvert le sujet Borderlands 3, grosso modo. Grosso modo, résumé, alors c'est classique mais efficace. Voilà, c'est ça. Il suffisait de deux mots et. C'est vraiment ça. On reprend la recette en termes de gameplay pur de Borderlands 2 qui était excellente. Et on la porte avec plus d'armes, plus de machins. La conduite d'ailleurs, c'est toujours plus de la merde. Plus de dynamisme quand même aussi au niveau des déplacements, ça c'est important. Ouais, plus de dynamisme, plus de tout en fait, et ça fonctionne très bien. Et moi, c'est un jeu qui est, que je trouve méga jouissif et que je joue beaucoup. Et que je joue, ça veut rien dire. Auquel je vais beaucoup jouer. En revanche, en termes d'écriture, il faut, soyez averti qu'il y a vraiment un... c'est même pas débrancher le cerveau, c'est que même si tu le débranches, le jeu te casse quand même bien les couilles tout le temps. Et il y a tout le temps un moment où même si tu tentes de l'éviter, les dialogues et l'écriture et les blagues longues rattrapent enfin c'est assez chiant. Tu vas pouvoir y jouer en écoutant des podcasts maintenant, le test est terminé. Ah non mais voilà, c'est ce que je fais. Mais sinon voilà, c'est toujours aussi chouette. Et tu conseilles quoi qu'il arrive. Je le conseille davantage sur PC, même si sur console ça reste très très cool à prendre en main. Même moi qui n'ai pas l'habitude de jouer avec un pad, je me suis tapé 40 heures de Borderlands avec un pad et j'ai pas détesté ça. Voilà. Ah bah tu vois, tout arrive. C'était pas mal. Bah, merci Nodus pour cet avis sur Borderlands 3. Goto, toi t'as envie de poursuivre? De poursuivre sur Borderlands 3, tu veux dire y jouer? Y jouer, ouais. Ah oui, mais du coup là je... Un homme de la division. Forcément quand t'as des raretés de loot, je suis toujours là. Mais effectivement, je pense que je vais vraiment, m'en foutant royalement en fait de l'univers, je pense que je vais directement passer le... Enfin, je vais couper. En fait, en termes de mécanique, c'est toujours aussi solide. Je pense que c'est la musique. Merci. Très bonnes idées en termes de musique. C'est assez varié. J'ai eu des missions où je devais battre un boss qui était genre très tech, très cyberpunk, machin, sur du saxo. C'était assez particulier. Il y a des bonnes idées musicales. Il y a trois compositeurs dont j'ai oublié le nom, mais il y a Jesper Kidd dans le lot et parfois tu l'entends. T'as une zone qui est un peu Asie, enfin Asie, forêt, etc. Et on sent vraiment les influences un peu exotiques de Jesper Kidd et c'est très appréciable. C'est un jeu qui musicalement m'a surpris. Très bien, on enchaîne tout de suite, sans plus tarder, avec le tour des manettes, car cette émission est blindée de contenu. Donc voilà, hop, jingle, tour des manettes, c'est parti.
Alors, le tournée manette, c'est le meilleur moyen de savoir à quoi vos rédacteurs favoris ont joué cette semaine. Et on va commencer par toi, Jean-Marc. Et c'est un acte de confession que vous avez eu du mal à m'arracher. Je joue à Pokémon Go cette semaine. Vous pouvez me jeter des cailloux. Je l'ai vu à Tokyo toute la semaine. C'est ça, je me suis dit, t'en avais pas assez mangé avec Hubert. Greg, j'imagine qu'il vous avait fait faire des détours pour choper plus d'un Pokémon. Le jeu est sorti il y a plus de 3 ans et contrairement aux rumeurs, il marche toujours plutôt pas mal. Il a même enregistré un de ses meilleurs mois cet été. Il y a peut-être plus de choses à acheter aussi, etc. Même si on arrive très bien à s'en sortir sans dépenser un centime. Et l'autre actu de cette semaine, c'est la sortie de la 5e génération dans Pokémon Go. Donc le jeu continue d'être alimenté copieusement par ses développeurs. Honnêtement, il y a beaucoup de choses à dire sur ce jeu. Dans la mesure où ils ont inventé quelque chose de social, bon, tout le monde le sait, mais ça marche vraiment bien. J'ai pu le tester au fin fond du Québec ou dans un village des Carpates ces derniers mois. Quand on va faire des raids légendaires, il y a toujours des locaux sur place. Ah ouais? Toujours. Et on fait donc des rencontres sympas. Voilà. Et là, moi, je fais partie d'un groupe WhatsApp sur Paris où on se tape des coups à boire, des cinémas, des trucs comme ça dans la foulée et des Pokémon. Voilà, j'en dirai pas plus. J'ai une chasse. Ouais. Une petite question. Est-ce que du coup, comme il a le jeu à 3 ans, je sais plus, j'avais vu quelqu'un le relancer récemment. Est-ce qu'en termes de mécanique, ça a changé ? Énormément depuis le début. On peut gérer des amis. Il y a donc ces raids, ces combats. Ouais. On peut échanger des Pokémon avec des amis. On est invité à le faire. Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre ? Il y a donc oui des raids spéciaux si tu en fais un certain nombre, des raids X quelque part. Ils ont sorti la race de Shiny chromatique en français cette semaine, un Mewtwo Shiny jusqu'à après-demain. Voilà, vous avez ouvert le robinet, je vous fais le... la météo. Voilà, donc non mais c'est un jeu toujours prenant et dont les mécanismes se sont vraiment étoffés. Ils ont sorti le Harry Potter il y a pas tellement longtemps et j'ai l'impression que ça marche pas tellement. Non, ça a pas l'air de prendre aussi bien. Et t'as un Minecraft qui arrive d'ailleurs. D'accord. Oui. Okay. Minecraft Go. Eh ben. Quelle vie. Tu pourras récupérer des blocs et construire ton truc en réalité augmentée. C'est plutôt bon. Merci voilà. Jean-Marc pour Pokémon Go qui reste donc un phénomène à tes yeux et aux yeux de. Je l'assume pas du tout. Il faut, c'est un rouge. C'est super cool. Comme Grey Throne. Mais la moyenne d'âge est élevée de ce jeu. Ouais. C'est un jeu à poivre et sel. Enfin, plus sel que poivre, malheureusement. Pokémon pas, Pokémon sel. Voilà. 42 ans, je prends la moyenne d'âge. On passe à Gotoz. Moi, j'ai célébré les 7 ans de Faster Than Light FTL en jouant ce qu'on appelle maintenant le FTL français, à savoir Crying Suns, qui est donc sorti jeudi, développé par Altshift à Montpellier. On avait eu une première démo il y a peut-être un an, et puis ensuite il y avait eu une seconde démo publique, elle, qui est encore disponible sur Steam, vous pouvez l'essayer. Ça reprend tous les grands principes de FTL, à savoir une fuite en avant, dans l'espace, dans un univers de science-fiction, avec un vaisseau dont il faut gérer beaucoup de trucs économiques, l'essence, la ferraille, acheter des choses, améliorer son vaisseau. C'est vraiment un FTL, mais qui change des trucs, notamment le combat, puisque vous avez pu le voir sur les images tout à l'heure. Voilà, c'est des combats où on déploie des escadrons sur un champ de bataille quadrillé, avec d'autres manières de l'emporter, mais toujours cette fameuse pose active dans laquelle tu distribues tes attaques. Et surtout, alors c'est très joli comme vous pouvez le voir, alors effectivement même si la partie combat est un peu plus chiche on va dire en effet, c'est un jeu qui est très 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 bien écrit. Et vous allez me dire très bien écrit quoi, parce que normalement en fait dans FTL t'as effectivement des rencontres textuelles mais elles sont un peu, voilà c'est assez laconique, ça va directement au but. Oui il y a des araignées géantes machin, les araignées géantes c'est pas une blague, tout ça. Araignées géantes. Sauf que là, en fait, c'est une grande épopée de science-fiction qui raconte un vrai scénario. Et en fait, finir le premier run, c'est finir le run du chapitre 1 et accéder au chapitre 2. Et ensuite, finir le chapitre 2. Et t'as 6 chapitres en tout et pour tout. T'en as pour te mettre, même si tu te mets en easy et que tu décides de justement pas trop souffrir, parce que clairement, en bon héritier de FTL, il veut te faire souffrir et il te fera souffrir. Si tu te mets en easy juste pour le scénario, t'en as quand même pour entre 15 et 20 heures d'histoire. Parfois un peu machinal parce que ça se passe toujours de la même manière, il y a le boss à la fin, une fois que tu l'as tué, il dit bon je vais tout avouer et il te dit où tu vas aller ensuite. Mais c'est des gros amateurs de science-fiction, ça se sent. Pendant longtemps ils disaient, d'abord on appelait ça le FTL français, ensuite ils disaient que c'était la rencontre entre FTL, Dune et Asimov, et Fondation. Et ils n'avaient pas menti.
Franchement, ils n'avaient pas menti. Il y a des références effectivement dans tous les sens, mais les prémices de l'histoire, qui sont une histoire de, enfin, c'est des humains qui ont créé des robots qui ont fini par les supplanter dans toutes les strates de leur vie, voilà, qui ont fini finalement par devenir des demi-dieux. Ils sont allés hyper loin dans la définition de leur univers et de leur lore, etc. Et c'est vraiment un univers qui m'a passionné, quoi. Donc, ouais, franchement, Crying Suns, pour moi, c'est grosse réussite. Au début, je me disais, disons, vous êtes gonflé quand même, un clone de FTL, 7 ans après, c'est un peu tard. Et puis, non, en fait, ils arrivent à vraiment créer un jeu narratif sur une base de FTL. C'est super réussi. T'as une trad française de base ? Ah oui, j'ai oublié de le dire en plus. Alors, j'ai l'impression que le jeu a été écrit en anglais et qu'ils l'ont traduit en français, alors qu'ils sont français. La traduction, elle est incroyable. Elle est incroyable. C'est là, on parlait de rythmique, d'humour. Ils arrivent à te garder le côté solennel du space opéra. Et de temps en temps, il y a une punchline qui passe, juste une virgule mise au bon moment ou un bon rajouté en fin de phrase. Et t'es mort de rire. C'est très drôle, en plus d'être très bien écrit. Donc, franchement. Donc, Crying Suns, qui est pour l'instant uniquement disponible sur. Disponible sur Steam. Et Good Old Games. Ouais. Et pas Apple Arcade, celui-ci. Pas encore. Ouais, qui sait. On enchaîne avec toi, mon père. Florian, à quoi tu as joué cette semaine ? Écoute, le week-end dernier, il faisait beau. J'ai sorti la Game Boy Advance. Tu joues au foot ? Non, la Game Boy Advance, je l'ai à côté du lit de temps en temps. Mais en effet, il y a un fil, je continue de parfaire ma culture. Et cette culture avait un trou assez important sur ces dernières années. Je n'avais joué qu'à la démo d'un jeu qui s'appelle Journey. Il y a eu une démo, là. Il y a eu une démo, ouais. Une des consoles dont j'avais hérité dans mes anciens emplois portait une démo de Journey, donc j'avais joué un tout petit bout. Et là, j'ai joué, je me suis pris l'après-midi ensoleillé pour jouer à Journey. Et que dire d'autre que, à part que c'est la boulette absolue dont on parle depuis que tout le monde a salué. Mais voilà, je rajoute mon avis à la pile que c'est absolument fabuleux à tellement de niveaux. Alors déjà, il y a un truc qui est hyper cool, c'est que moi je me dis, voilà, le jeu date de 2012, donc jeu de Z Game Company, sorti sur les consoles Sony initialement, et qui donc prend le parti de vous faire un espèce... Bah, c'est Journey, c'est un voyage en fait, c'est un espèce de trip comme ça, pas une fuite en avant, mais plutôt une progression, voilà. On va vers quelque chose, on va vers un objectif, une montagne, on sait pas pourquoi on y va, on sait pas ce qu'on est, on sait pas dans quel monde on est, mais on y va, et juste le fait d'y aller, c'est complètement fascinant. La question que j'allais dire, c'était que moi, le jeu étant datant de 2012, je m'étais dit, bon voilà, techniquement, est-ce que... Non, j'ai joué sur PS4, c'est un jeu qui ne vieillit pas. C'est un jeu qui, je pense, a l'avantage d'une simplicité et d'une... Cette scène, elle est complètement renversante. C'est un jeu, en fait, qui est constitué que de grands moments. C'est ça qui est ouf, c'est que chaque scène, chaque chapitre est une claque, en fait. Chaque truc est complètement ouf, que ce soit visuellement, d'un point de vue sonore, c'est absolument fabuleux. Il y a quand même un crescendo, je trouve, en tout cas. Il y a une forme de crescendo. Et c'est voilà, c'est une merveille. Achetez-le, il coûte une poignée de fiches, je pense. Il est sur PC, grâce à l'Epic Games Store. Exactement, il est sur PC. Je pense que ça va être la version à laquelle j'ai joué sur PS4. Je suis pas sûr de à quel point ça a été ajusté, relissé, mais en tout cas, ça ne vieillit pas, donc vraiment... Si vous ne l'avez pas fait, allez-y, c'est fantastique. Eh bien, merci pour ce cri d'amour, un de plus pour Journey, qui le mérite bien, effectivement. Et on termine avec toi, Nodus, sur ton jeu de la semaine, autre jeu de la semaine. Puisque Florian prend les merdardés, pas en pixel art, non, je prends les jeux de foot. J'ai joué à football. Ah oui, c'est vrai. J'ai joué à football drama. Ah oui. Je vous en ai déjà parlé dans l'émission. Qui était ce mélange sur papier très alléchant de, alors, accrochez-vous, de football management. Mais également de jeux de cartes, puisque c'est un jeu de deck building où tu vas construire ton deck au fil des semaines, puisque tu gères ton club durant 18 semaines. Au fil des semaines, tu vas avoir de plus en plus de cartes pour construire ton deck, et à chaque match, tu te fais une main. Et aussi de jeux narratifs, puisqu'entre les matchs, tu vas pouvoir rencontrer des gens, avoir des romances, parler à tes joueurs, avoir des choix de dialogue, etc., etc., parler avec les autres entraîneurs. Plein de choses, plein de bonnes idées sur le papier, une esthétique, moi, qui me chauffait de ouf. Vraiment, le cachet du jeu, c'est un truc qui me parle beaucoup. Il y a une esthétique à la Papers, Please, des idées artistiques à la Papers, Please, et vraiment un truc qui me plaît. C'est vertical parce que c'est un jeu qui est avant tout pensé pour le support mobile, précisons-le. En revanche, on y a joué hier avec Florian en GK Live, et je l'ai relancé hier soir.
C'est un petit peu la déception, malheureusement. C'est un jeu qui, voilà, c'est une belle promesse sur le papier. Toutes ces idées-là s'articulent assez bien en jeu. Par contre, il y a un gros problème d'explication des mécaniques. Il n'y a rien d'éclair jusqu'à ce que tu fasses des erreurs. Et le jeu ne veut pas forcément que tu en fasses. Donc, du coup, tu te rends compte que bah, tu joues mal parce que le jeu t'avait expliqué comment jouer. Durant les matchs, c'est fouillis. En fait, l'aspect tactique qui est amené par les cartes, normalement, la main de cartes que tu as, il est assez aléatoire. Tu sais pas trop comment les joueurs déplacent sur le terrain. Tu sais pas trop pourquoi est-ce que là t'avais l'avantage et d'un coup tu le perds. En fait voilà, durant les matchs t'as ces deux options en bas, l'option de gauche et une option passive, donc contrôler ou risquer par exemple, défense active, défense passive, etc. Et tu peux en fait jouer avec ça pour influer sur la fatigue de tes joueurs et jouer avec justement la fatigue pour essayer de faire des contre-attaques, ce genre de choses. On comprend vraiment que dalle à ce qui se passe en jeu. Ah non, pas dans rien. On comprend rien. Et ce qui est dommage, c'est qu'aussi, c'est une boucle qui est très répétitive. Et j'ai fait du coup 3-4 matchs. Et t'as l'impression de jouer systématiquement le même match. L'effet de tes cartes, il est pas vraiment palpable. Déjà, donc c'est un effet qui, un peu comme dans un football manager, qui n'est pas immédiat. Donc tu vas jouer une carte qui va s'activer quelques minutes plus tard. Et généralement, l'effet, il est assez aléatoire. Tu peux, je sais pas, tirer un corner du milieu de terrain. J'ai pas compris. Ouais, t'as des cartes genre centrées fort depuis le point de corner, mais cette carte-là, tu peux la jouer n'importe quand. Enfin, c'est très curieux. Ça manque en fait beaucoup de clarté. Et c'est tactiquement assez pauvre. En revanche, ce qui est con, c'est que, à côté de ça, sur le plan narratif, c'est un jeu qui traite du coup à la fois du foot, mais aussi des dramas. Puisque tu peux amener par exemple des trucs de dopage, amener des romances entre les joueurs, de l'alcoolémie. Moi, j'ai joué au Racing Club de Lens, parce que voilà, ouais. RPZ. Et au premier match, on est parti boire des bières et du coup, on était bourrés sur le terrain. C'est vraiment un truc qui est intéressant en termes de narration et de tout ce qu'il promettait, mais ça fonctionne pas, ça s'articule pas bien. Et la traduction aide absolument pas. Voilà, on l'a. En fait, c'est vraiment du Google Trad. C'est un studio qui, à la base, est un studio italien de 4 personnes qui ont écrit le jeu en italien, puis traduit en anglais, puis retraduit en français via Google Trad. C'est vraiment, vraiment, vraiment méchant niveau traduction. Et ça, pareil, on comprend que dalle. En fait, t'as deux trucs, t'as le karma et le chaos. Ouais. Et en fait, le ballon, c'est aussi un D6. Et parfois, t'as des. Il y a plein de trucs. C'est dommage. Ça mériterait un tuto déjà, quoi. Ouais. Ça mériterait un tuto, et en fait, t'en as un. Mais c'est du texte qui pop n'importe comment et n'importe où. Et il y a un problème didactique dans le jeu. C'est qu'il ne sait pas expliquer en fait ce qui te met sous le nez. Et c'est con parce qu'il a l'air de mettre pas mal de choses sous mon nez. Mais bon. Voilà, c'est Football Drama. C'est disponible sur Steam, iOS et Android pour 10 balles. Je vous le déconseille. Et ben voilà, comme ça, c'est dit. On poursuit notre marche dans cette émission. Alors bien sûr, il y aura évidemment la Nintendo Switch Lite, il y aura la Mega Drive Mini, il y aura Link's Awakening, mais il y aura surtout L'entracte musical et la thématique improbable. Et ça, allez, ce sera juste après le petit jingle. On rappelle donc, une fois de plus, la thématique extraordinaire de cet entracte musical que nous a signé Florian. On va parler des arbres. Voilà. C'est important. Alors, les arbres, vous le savez, en ce moment, il en brûle. Ouais, malheureusement. On en plante, mais il en brûle. Alors, comment vous avez décidé un petit peu ça? Il y a eu un lancer de dés, il y a eu... Déjà, c'est une co-création. Ouais, voilà. Et c'est l'humain, hein, et voilà. Toi, c'est ça. Hein. Mais elle a dit les arbres. Ouais. Je pense qu'elle pensait forêt. Moi, j'ai entendu arbre, j'ai fait oui, c'est hyper con. Ok, faisons ça. Voilà. Très bien. C'était un peu les absents ont toujours tort, et c'est toi qui as pris. Et voilà. En fait, figure-toi que... À la base, ce thème, je dis ah oui, quand même. Et en fait, eh ben, pas si pire, et même pas si pire, et même mieux. J'avais encore de la marge. Donc, je vous ai sélectionné 5 morceaux. Des arbres. J'ai étendu un petit peu. Alors, il peut y avoir forêt, mais globalement, une bonne partie des morceaux, c'est vraiment arbre. C'est vraiment arbre. On rappelle la règle GK, qui est que celui qui gagne le dernier round, bien entendu, l'emporte, bien et sûr, a le droit de sélectionner à la fois la personne et le thème. Mais avec le petit trophée. À ne pas oublier, pas le droit de retoucher son père. Voilà. Très important. Je fais cliquer mon stylo et je suis. Donc, 5 morceaux. 5 morceaux, et bien, sans plus de. Circonvolution. De circonvolution, voilà. Hubert, s'il te plaît, Magneto, et extrait. Et tu vas devoir nous augmenter un petit peu le son, s'il te plaît. Ori, je te l'ai fait, Ori and the Blind Forest. Vous êtes fort, mais c'était un peu facile, c'est vrai. C'est Ori and the Blind Forest. La chanson s'appelle Restoring the Light, Facing the Dark. C'est le moment où on s'échappe de l'arbre Ginzo. Elle a un fan de passage.
Voilà, donc le mot arbre. Voilà, on s'échappe de l'arbre Guizzo. La séquence est géniale et le musical. Non mais vraiment. Et musicalement, il y a une montée en puissance qui est complètement ouf. Et c'est cool parce qu'elle commence assez tôt. J'avais peur qu'on profite pas forcément du morceau. La BO de Ori and the Blind Forest a été signée par un monsieur qui s'appelle Gareth Cocker. Ouais. Et qui a déjà bossé sur Minecraft, sur les extensions de Minecraft, ainsi que sur Ark Survival Evolved. Et qui a bossé dans le cinéma aussi, surtout avant de faire un petit peu de jeux vidéo. Voilà. Déjà sur son SoundCloud, je crois, il y a quelques longs mois, l'un des thèmes de Ori and the Will of the Wisps, le prochain épisode. Sur lequel il bosse. Sur lequel il bosse aussi. Voilà. Et évidemment, jeu de Moon Studio, publié par Microsoft, je vous la refais pas. Il n'y a pas besoin, c'est formidable de toute façon. Si tu veux, quand tu veux, mon cher Hubert, balance-nous le deuxième extrait qui sera nettement moins aisé, je pense. Ouais. Sauf pour ce salaud. Sauf pour ce salaud de Godot qui l'a trouvé assez vite. Botanicula. Ah merde, je pensais que ça allait être dur. Bravo. GG. Bravo, en effet, c'est Botanicula, le jeu d'Amanita Design, le point and click d'Amanita Design. C'est le morceau L'été de Jono. Qui tous les noms de l'OST sont. Alors je sais pas si c'est du tchèque ou si c'est des plus par rapport aux sonorités. Inventé, je crois. Voilà. Parce que forcément la BO a été composée par un duo tchèque qui a bossé aussi avec Amanita Design sur Chouchel. Ouais. Qui s'appelle DVA ou DVA. Qui est constitué de Bara Kratochvilova. Et Yann Kratchoville. Voilà, et en fait, la BO de Botanicula est hyper originale, à base, un petit peu comme Rayman avec ses petites voix, comme ça là qu'on entend, avec plein de petits instruments qui sont souvent en solo, pas de surcouche, etc. C'est vraiment très très curieux, très exotique, et c'est hyper sympa à écouter en travaillant. Tiens, d'ailleurs, est-ce que je peux rajouter un dernier trivia? Mais tu as, alors là... On va sortir un album, notamment en vinyle, de remix de Machinarium. Le mois prochain. Ça a été annoncé il n'y a pas longtemps. Et le casting est absolument fou puisque va être mixé un thème par Diva, mais aussi par 65 Days of Static, par Jim Guthrie, ainsi que par Orbital, le groupe d'électro. Okay. Donc voilà. Pourquoi ? Donc, ça sort le 11 octobre, je crois. Ok. Très bien. Voilà. Vous avez noté que j'étais pas loin à chaque fois. Hein. T'étais pas loin, t'as été souvent deuxième. Voilà, j'ai noté un point pour moi, un point pour Gauthier, ouais, et Puyo, tout en bas à droite, zéro. Ouais. Allez, on poursuit. Allez, on envoie. Peut-être qu'il va finir par marquer un point, Puyo. C'est japonais néanmoins. Oui. Voilà. Je pense que vous l'aviez tous compris. Secret of Mana. Non. C'est Kirby et le pinceau arc-en-ciel. Waouh. Ok. Et c'est notamment le passage contre le fameux boss des Wispy Woods. Parce que moi, tout de suite, quand on m'a dit arbre jeu vidéo, j'ai tout de suite vu ce garçon. J'ai tout de suite vu cette créature. Et donc, il a fallu un petit peu fouiller. J'ai choisi ce thème-là, donc ce thème d'affrontement de boss, qui a été écrit et composé par Megumi Ohara, qui est compositrice depuis 2015 chez HAL Laboratory, qui a globalement bossé sur tous les derniers, enfin, en gros, tous les Kirby pour lesquels elle était déjà présente dans le studio. Kirby, c'est mon côté enfant. Et j'ai oublié... Non, je l'ai pas, non. Surtout, Shogo Sakai, compositeur chez HAL depuis 1987 et qui a bossé à peu près sur tous les jeux HAL, y compris par exemple Smash Bros Ultimate dernièrement. Il est à peu près sur toutes les productions du studio. Et donc ça c'est la version Wii U. Je sais pas du tout. Si, le pinceau arc-en-ciel. Oui, c'est ça, oui. C'est avec les trucs façon pâte à modeler, tout ça. Combien, Nicolas ? 6, je pense. Un truc comme ça. Voilà. Et pas de point pour Puyo sur ce truc-là. Je m'étais dit, Puyo, il l'aura. Ok. Allez, morceau numéro 4, mon cher Hubert, s'il te plaît. Banjo Kazooie. Non, ça, c'est un morceau de cœur. Non. Donc là, on est vraiment dans l'arbre. Hein. Ouais, on est dans l'arbre. Ouais. C'est pas un Rayman ? Non. Non.
C'est Prehistoric Man. Casse-toi. C'est génial Prehistoric Man pour le coup. Jeu réalisé par Titus en 1995 sur la Super NES et je crois aussi sur certains ordi, sur certains micros 16 bits, il me semble, genre sur Amiga. Que dire à part que c'est un de mes jeux de l'enfance et que c'est vraiment un jeu de plateforme assez génial et que la BO est vraiment très fantastique. Ça ne se dit pas, mais moi je le dis. Avec cette espèce de chaleur un peu groovy, un peu jazz que la Super NES arrive vraiment très bien à rendre. Il y a des morceaux qui sont vraiment très très cool et qui restent en tête, des mélodies vraiment, vraiment très sympas. Elles ont été faites par, je crois, deux Français, Gilles Réa et Laurent Mignard. J'ai pas réussi à retrouver leur implication nulle part ailleurs. Je pense qu'ils bossaient pour Titus à l'époque, et même ça, j'ai pas réussi à en retrouver des traces, très claires en tout cas. Voilà, et c'est la phase du Windy Tree, donc où on doit remonter jusqu'en haut en utilisant... Ça a l'air commode. Alors toi, t'as un sens de la mesure la capture, le mec est pas doué. Qui n'est pas moi. Il y a un truc à prendre avec les coups de vent, voilà. Il faut profiter des coups de vent pour atteindre les plateformes supérieures. C'est très bien. Excusez-moi, monsieur Pierre à feu. C'est très bien. C'est vraiment très bien. Allez, Game Cult. Allez. Voilà. C'est pour avoir un tout petit peu plus de volume, s'il vous plaît. Ouais. La Game Cult, c'est important. Un partout pour l'instant. Au niveau des points, c'est un point pour Gauthier, pour moi. Ouais. Et je pense que ça peut dégainer... 0,5 points dans l'esprit à chaque fois. C'est un double zéro. Voilà. Ça peut dégainer très vite sur le cinquième, donc soyez au taquet. Vas-y, Hubert. Banjo Kazooie. Non. Banjo Tui. Conker. Non. Banjo Tui. Non. Non. Paper Mario. Non. Tales of... Monkey Island. Non. Vous avez probablement tous joué. Ah là là, c'est énorme. Bon bah C'est un grand nom. Ça passera pas. C'est un immense nom. Ça ne passera pas. C'est un... À l'oreille. Mais quel âge vidéo, mec, qui va... C'est un immense nom. Ah non, mais c'est un immense nom. Est-ce qu'on pourrait avoir un ralenti de vidéo pour les points d'avant? C'est effectivement... Non, mais c'est un nom, c'est moi l'arbitre, c'est un immense nom. Bah du coup, on se retrouve... Voilà, on a déjà un souci. C'est la première fois, on va devoir trancher. Et en effet, c'est Tomba ou Tombi, suivant l'euro, si on prend le côté européen ou japonais. Oh, donc, jeu de plate... Non, c'est... un petit peu particulier avec ce garçon. C'est pas très commode. Si, c'est en fait la musique, c'est juste que t'avances un petit peu, mais c'est la musique de The Dwarf Forest. C'était le moment où tu rentres dans la forêt avec les nains, et c'est ce morceau-là qui est particulièrement entêtant et qu'on pouvait voir, je crois, dans la démo. La démo devait s'arrêter à peu près à ce moment-là. T'as réussi à faire un truc sur les forêts sans les thèmes tartare à la crème habituels et tout, c'est cool. Merci beaucoup. J'ai essayé de prendre mes trucs à moi, parce que ce truc-là, je l'ai poncé sur la fameuse démo, sur une des premières démos PS1. Hyper deg. Il est maxi deg. Attends, en plus, j'ai mis des trucs un peu japonais. Tu vois, un peu accessible à tous et tout, il a pas marqué un point sur le Japon. Et donc, quand même... il est vraiment turbo dégoûté. Quand même, elle a été... C'est un morceau qui a été signé par un nom assez connu, je pense, et c'est ça que je voulais te dire tout à l'heure, je voulais te dire, ça te dit quelque chose, ça? Harumi Fujita? Ah bah oui, voilà. Effectivement. C'est sa période freelance, en fait, après son gros passage chez Capcom, où elle a bossé sur Ghosts and Goblins, Bionic Commando, Strider, j'ai Tic et Tac, mais c'est Chip and Dale, voilà, sur NES, Mega Man 3 aussi. Gargoyle's Quest aussi, je pense. Gargoyle's Quest aussi, tout à fait, j'ai pas tout mis, mais... son passage freelance, elle a bossé sur Tomba. Ouais. Voilà. Du coup, personne ne remporte le trophée. Et alors, qu'est-ce qu'on fait dans ces cas-là? C'est toi qui décides quelque part. Le game design de l'entracte est cassé, en fait. Le game design de l'entracte est cassé. Moi, j'ai trouvé Tomba. Après, est-ce que trouver le jeu à l'image? Déjà, toi, t'es hors jeu. Est-ce que trouver le jeu à l'image, c'est pas gagné aussi? C'est le seul qui n'a pas de points. C'est le côté, casse-toi. C'est le côté overtime, c'est le côté mort subit. T'es zéro, Nicolas. Tu vois? T'es zéro. C'est vrai qu'on est. Là, on est à 1-1. Déjà, tu vas. Alors, déjà, définis déjà un thème. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre les égouts. Et du coup, on va prendre un des absents. Bah ouais, ça me paraît être une bonne façon de trancher. Je sais pas ce que vous en pensez. J'ai envie de dire collégialement, est-ce que. On va prendre l'humain, parce que ce serait plus original que Pippo. Pippo, on a fait des centaines et. Et bien, est-ce que. Alors, par contre, elle en avait pas fait un déjà? C'est pas grave ça. C'est pas grave ça. Depuis qu'on a commencé?
Allez, bah, l'humain. Si tu nous regardes, sache que la semaine prochaine, il faudra être vu ici en plateau les arbres, pour nous pour faire pomme. Un entracte musical sur les égouts. Et voilà. T'es passé à côté des roues de secours. Hein. Ouais, ouais. Oui, je te sauve quand même. Allez, on enchaîne tout de suite avec la présentation de deux nouveaux matos. Ce sera la Nintendo Switch Lite et la Mega Drive Mini. Et on a Jean-Marc en plateau pour en parler, mais nous aussi, puisqu'on l'a également essayé. Eh bien, c'est parti. On n'a même pas de jingle, si, peut-être. Allez, une petite bande-annonce sur la Switch Lite. Alors ça s'est moqué sur ma prononciation de Switch Lite pendant le trailer. Oui, ouais, c'est pareil que j'ai bafouillé, ça m'arrive. Ça s'était appelé la Switch Mini, je pense que j'aurais pas eu souci, mais effectivement, donc c'est ainsi qu'on la présente, la Switch Lite. 100€ de moins que le modèle actuel de la Switch, donc et une petite quand même différence de taille, même plusieurs différences de taille. La taille, ça compte. Ouais. Pour rappel, c'était le modèle de mars 2017, donc, deux ans et demi un peu plus tard, voici que débarque la Switch Lite, donc, et non pas Mini. Ouais. C'était un peu un secret de polichinelle que Nintendo allait faire cette révision, même si on spéculait sur une Switch Pro, un peu, dans un premier temps. Et, les deux, voilà, il y avait les deux qui étaient en balance. Ouais. En balance, mais c'est celle-là qui est venue en premier. Donc elle sort ce 20 septembre dans trois coloris, ce jaune canari, cheddar, mayonnaise, moutarde, qui est un peu celui qui est mis en avant, alors ouais. Que j'ai du mal à comprendre oui et non, il y a peut-être le c'est positionnement. C'est celui qui te plaît le moins, a priori. C'est le côté un peu Zelda, la sortie avec Awakening, ouais. Keyforce, machin. Donc tu disais, il y a turquoise, gris, et le 8 novembre avec Pokémon épée et bouclier, une version grise, rouge, bleu, un petit peu en hommage à tout. Voilà. Donc, comme vous le voyez, la console est bien plus petite que sa grande sœur. Pour s'en rendre compte, en fait, il suffit de détacher un Joy-Con. Et on fait exactement la taille, la même largeur, et 1 cm de moins en hauteur. Mais est-ce que tu peux détacher un Joy-Con sur cette et Switch non, Lite? C'est une Switch Lite monobloc, donc les Joy-Con sont attachés. Je continue la comparaison d'ailleurs avec le Joy-Con. On constate quoi? Que les 4 boutons séparés sont remplacés par une croix. Directionnel comme la manette Switch Pro. Si on les met vraiment bord à bord, on constate que l'écart des boutons est strictement le même entre la Switch classique, on va l'appeler comme ça, et cette Switch Lite. Ils ont juste coupé en fait le bas du joystick. C'est nul. La zone. En fait, quand tu mets, ouais, d'accord. Et okay. Même au niveau du stick droit, du Joy-Con droit, t'as un tout petit millimètre d'écart encore, mais c'est plus le gras autour en fait qui est, c'est ça, et donc elle est surtout beaucoup plus légère, c'est ce dont on se rend compte en premier. Elle pèse 275 grammes contre 398 pour la principale, et pour faire ce régime minceur à la Switch Lite, Nintendo a fait un ensemble de compromis. Donc le premier, évidemment, c'est les Joy-Con qui ne sont pas détachables, mais ils ne possèdent pas non plus de vibration. Vous savez que la vibration, c'est fait en mettant un petit poids à l'intérieur autour d'un moteur dans les Joy-Con. Et ben, qui dit poids dit gramme de plus. Et donc, il y a eu ça. La principale cure, vous ne l'avez peut-être même pas remarqué parce que c'est assez subtil, c'est que l'écran est plus petit. C'est un écran de 5,5 pouces. Ah, pardon. Il a pas eu le temps. C'est un métier. C'est un métier. Il a appuyé sur son bouton, lui. Observez le mât. Ah, c'est vraiment. Il y a un vrai côté juste prix dans la grammaire visuelle. C'est un pouce en. Alors, celui-là, c'est 6,2 pouces. Mm-hmm. Celui-là, c'est 5,5 pouces. Ah, oui. Mais les deux ont la même définition, 1280 par 720p. Ce qui signifie donc que la Switch Lite a une finesse d'affichage légèrement supérieure. Ouais, une densité de pixels. C'est moins étiré, quoi. C'est moins étiré. En réalité, on ne s'en rend pas du tout compte à l'usage. L'affichage est quasiment identique. On a plus l'habitude de la tenir plus près du visage. Les mains sont également plus proches l'une de l'autre. Et globalement, le fait qu'on ait perdu autant de poids, c'est quelque chose de vraiment très appréciable. Tous ceux qui auront joué pendant de longues heures, enfin à savoir 3 heures, sans recharge sur Breath of the Wild et qui auront senti leur poignet un peu plié vers l'avant, ils seront bien contents de pouvoir faire un peu de régime avec ça. L'autre grosse différence, il faut forcément parler, c'est l'impossibilité de connecter cette Switch Lite à la télé. Exactement. Et là, il y a beau y avoir un port USB-C en dessous,
le même, on ne peut pas du tout l'afficher sur le dock. On ne peut donc pas sortir l'image de la portable, c'est ce que je vais dire, ça y est, la portable, donc sur un téléviseur. C'est une console qui se veut à usage exclusivement portable. Justement, est-ce qu'il n'y a pas forcément, on va y venir, hein, mais est-ce qu'il n'y a pas contradiction dans le message, puisque à la base, la Switch, c'était justement la promesse d'une console hybride qu'on peut emporter partout avec soi et brancher sur sa télé une fois de retour à la maison. Est-ce que là, c'est pas dommage d'avoir complètement... Alors, c'est une Switch qui ne switch plus. C'est littéralement ça. On peut uniquement l'utiliser en mode portable. Je vais quand même revenir un petit peu sur un détail après, mais... C'est vrai qu'on perd totalement le côté hybride. Mmh. À vrai dire, les chiffres de vente de la 3DS commençaient un peu à s'éroder. Il fallait lui trouver un successeur. Elle avait été 1000 fois refaite, 3DS, XL, New 3DS, New 2DS, etc. Ils ne pouvaient pas aller tellement plus loin. Et donc finalement, ils ont recyclé quelque chose qu'ils avaient en interne. Et on peut le dire officieusement, c'est le successeur de la 3DS qui va petit à petit s'arrêter. Il n'y aura a priori plus de jeux de toute façon dessus. Mmh. Et c'est bien, c'est important de souligner la nomenclature et la façon dont c'est présenté par Nintendo, notamment sur les campagnes de pub que vous avez peut-être déjà vues, qui sont déjà un peu partout. C'est la famille Switch maintenant. C'est-à-dire que la gamme Switch. Il n'est pas question, la gamme Switch, c'est pas du tout question de dire il y a l'ancienne, il y a la nouvelle. C'est pour des usages différents, avec un prix différent, avec des fonctionnalités différentes, et ils essayent juste de diversifier. La gamme en fonction de... Justement, moi, c'est ce que je disais à Jean-Marc, justement, quand il montrait la console, c'est que, perso, moi, la Switch classique ne m'intéresse pas. Enfin, elle m'intéresse, mais j'ai aucun intérêt à la mettre en docké parce que je joue sur PC principalement. En revanche, celle-ci, mais je vais l'acheter. Mmh. Parce que, clairement, elle a un usage... Déjà, au niveau prise en main, je la trouve beaucoup plus agréable. Je t'ai vu la prendre en main et séduit tout de suite par le poids, notamment. C'est exact. Ça, c'est un choc. Hein. Ouais, à la Gamescom, quand ils me l'ont donné, j'avais vraiment la main qui était prête, tu sais, à encaisser. Celle-là à côté dans l'autre main, on sent vraiment le gabarit que je veux. Parce que l'écran de la Switch, je le trouve trop grand. C'est normal parce que c'est la promesse d'un truc hybride, donc c'est normal. Ça, c'est le gabarit d'une PS Vita un tout petit peu plus grosse. C'est un poids super agréable. Les gâchettes sont plus agréables. La texture, je la trouve mieux. Elle est plus légère que la New de 3DS XL, par exemple. Mais est-ce que tu n'as pas le sentiment que tu risques de perdre en confort sur certains jeux qui sont quand même plus adaptés à une utilisation sédentaire? Je pense à récemment à Astral Chain, je pense bientôt à Xenoblade Chronicles quand il va sortir en définitive édition. C'est selon ton besoin. Je pense qu'on a je pense que généralement quand tu es possesseur de Switch, tu connais au moins une autre personne qui a une Switch et tu t'es déjà retrouvé dans cette discussion où tu dis ah bon tu la dock toi ta console, ou l'inverse, ah bon toi tu la dock jamais. Enfin il y a typiquement, moi je sais que je joue quasiment qu'en portable, donc je suis clairement dans la cible. D'autant que la plupart du temps, quand je le mets sur grand écran et sur vidéoprojecteur, ce qui est une connerie, du coup, je suis déçu, souvent, de la qualité graphique, etc. Et je préfère, en fait, avoir la finesse, et je la dock quasiment jamais, mon dock n'est même pas branché à la maison. À la limite, c'était superflu. Ça me fait limite chier d'avoir fait produire du plastique pour un truc que je n'utilise pas. C'est une question probablement de jeu aussi, c'est-à-dire que, typiquement, Gotose, tout ce qui est 1D, tout ce qui est 2D, etc. C'est genre, moi, pareil, j'ai fait Hollow Knight, je vais pas aller le mettre sur un grand écran, quoi. Je m'en fous, c'est l'écran de la Switch, c'était très bien. En effet, Breath of the Wild, bon, toi, tu l'as fait en portable aussi, tu disais. Mais je pense que c'est typiquement le genre de jeu, par contre, où tu vas peut-être te dire, ouais, je vais peut-être le faire sur la télé, quoi. Du coup, j'ai un petit peu peur, par contre, je sais que la Switch avait ce syndrome où les jeux PC portés sur Switch, parfois, niveau texte, c'est pas forcément ça. Là, ça risque d'être encore pire. Sur 3 par exemple, des trucs comme ça. Ils n'ont pas sans changer les proportions de. Voilà. Niveau autonomie, performance, c'est la même chose. Justement, il faut savoir que depuis celle-ci, qui est donc de mars 2017, à l'arrière, on voit un numéro de série HAC001 pour désigner le modèle donc d'origine de mars 2017. Actuellement, si vous achetez une Switch classique, elle sera marquée HAD, c'est la première révision. C'est une nouvelle, ouais. Voilà. Qu'est-ce qu'ils ont changé dedans? Seulement le processeur. La Switch d'origine est animée par un processeur Nvidia Tegra X1 et ils l'ont un peu retravaillé en interne ces derniers mois. Et en gros, ils l'ont affiné. Et puis surtout, ils ont travaillé l'efficience énergétique, la consommation. Et en gardant rigoureusement la même batterie à l'intérieur, une batterie de 16 watt-heure, tu gagnes vraiment beaucoup de batterie. Actuellement, la Switch classique... quand on l'achète, le dernier modèle, on peut jouer plus de 5 heures à Zelda Breath of the Wild contre 3 heures environ sur la première. Et ça peut atteindre les 9 heures d'autonomie sur vraiment des jeux très très peu gourmands. Et là, ils ont mis dans la Switch Lite, ils ont mis le processeur de la nouvelle version de la Switch classique, mais ils ont un petit peu réduit la batterie. Et donc, ça compense malgré tout.
cette Switch Lite est, a une meilleure autonomie d'une heure à peu près par rapport à la Switch d'origine. Okay. Mais elle est inférieure à la nouvelle Switch, Switch, vous comprenez. Okay. Voilà. Elle se situe entre les deux. Elle chauffe beaucoup celle-là en... Honnêtement, ça, moi ça ne m'a pas gêné sur des sessions. Les aérations ont changé un petit peu. Voilà, elles sont un peu plus, plus fortes, plus grandes sur le dessus. Comme ça, c'est un peu changé. Honnêtement, ouais. Je n'ai pas ressenti de bruit de gêne de chauffe. Et puis, j'ai pu jouer quasiment 4 heures effectivement à Zelda Breath of the Wild dessus. Il y avait cette histoire de coque qui vibrait quand le son était très fort. Ouais, bien sûr. T'as plein de petites choses qui ont changé. Donc, évidemment, la croix directionnelle, le toucher des boutons de tranche, donc ceux qui sont là, qui maintenant cliquent. Alors, moi qui avais toujours. Alors, c'est une utilisation extrêmement particulière, mais si vous êtes en couple, ça vous parlera peut-être. Quand la personne est encore endormie et que vous êtes déjà en train de jouer le matin. Ça fait beaucoup de bruit. Et moi, je m'étais toujours dit, ce serait bien qu'un jour, il fasse une Switch genre smooth, celle que tu n'entends pas. Ouais, celle-ci est plus bruyante, en fait, que l'autre. Elle dit, non, mais ça peut... je trouve que les boutons sont plus bruyants. En revanche, je trouve que le toucher est bien meilleur. Et plus agréable. La course est plus longue et elle est plus stable sur tout le bouton. On a moins l'impression, en fait, que les boutons d'épaule s'affaissent sur les côtés ou sur le haut, etc. C'est vrai que ceux de la Switch avaient cette espèce de sentiment que sur tes DualShock, par exemple, quand tu as un truc coincé dans les gâchettes. Tu sais, c'est un peu mou. Oui, voilà. C'était un peu ce ressenti. C'est beaucoup plus affirmé, c'est beaucoup plus clair. Les boutons, ils sont un peu plus doux là. Ils cliquent pas de la même manière. Ouais, ils sont un peu plus mous. Les boutons X, Y, B, A, etc. Flambant neuf, oui, c'est peut-être ça. Et après, t'as la croix directionnelle. La croix directionnelle, honnêtement, c'est cool qu'elle soit là, mais je pense que pour les gens qui veulent en utilisation genre très précise, genre les gros joueurs de Tetris 99, etc. Je pense qu'elle peut faire un peu débat parce que elle manque un tout petit peu de réactivité en fait sur les pressions très légères. Mmh. Et sinon, il y a effectivement le fait que si tu joues avec le volume à fond. Déjà, personne ne fait ça, mais si tu joues avec le volume à fond, parfois tout ce qui est percu, etc., tu sens un peu la monocoque qui vibre. Ouais. Alors ça arrive aussi parfois avec la grosse Switch, mais là tu le sens un peu plus, effectivement, ça se répand un peu plus. On précise également que si tu veux jouer en multijoueur, c'est quand même beaucoup plus compliqué comme infrastructure qu'avant. Déjà, tu ne peux plus détacher les Joy-Con, tu n'as plus... Il n'y a plus la béquille à l'arrière. La béquille derrière. Qui n'était pas super non plus, hein. Honnêtement, non. Elle était décentrée, moi je l'ai fait tomber 100 fois. Hein. Oui, non, mais elle était pourrie, enfin, on peut le dire. C'est peut-être pour ça qu'ils l'ont... Parce qu'il y a quelque chose qu'on peut faire quand même, en l'allumant, tu vois. Je ne sais pas ce que ça va rendre à l'image. On peut tout à fait lui associer des sticks, des manettes normales. Alors, c'est un petit mot quand même sur le système d'exploitation aussi de Nintendo, c'est Horizon OS, s'appelle leur truc. Sous son allure très minimaliste, épurée et simpliste, c'est souvent quand même le parti pris de pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué. Et je trouve que par exemple, pour associer des nouvelles manettes, quand on va dans le menu, il ne s'agit pas de cliquer sur chercher des manettes ou synchroniser de nouvelles manettes, mais sur changer l'ordre des manettes, le style et l'ordre, alors que je n'ai pas du tout associé une nouvelle manette encore. Donc bon, il y a ce jargon qui n'est pas toujours très clair. Voilà, tu vois, il faut l'associer, etc. Si tu veux te lancer dans du Smash Bros Ultimate sur un seul écran... Bah, tu mets des bouquins derrière. Il faut trouver un système D pour la tenir droite. Ouais. Mais en tout cas, on peut jumeler une paire de Joy-Cons, ça vaut 70€ pour les deux, de mémoire, ou la manette Pro qui vaut 60€. Donc ça, on peut lui associer quand même des accessoires, contrairement à ce qu'on croit. Et d'ailleurs, j'imagine que tu n'as pas eu l'occasion, enfin, j'espère, d'expérimenter des questions de drift de joystick. Alors, voilà. Là, justement, on est sur un problème, un problème épineux que beaucoup d'utilisateurs, dont certains de la rédaction, ce joystick que je tiens dans la main, le vit actuellement. Il a tendance à appuyer en permanence vers le bas. Il existe une procédure pour la nettoyer soi-même avec un cure-dent, de surélever, soulever légèrement le stick, le chapeau du stick, nettoyer derrière, etc. À première vue, quand on ausculte comme ça, il semblerait que ces sticks soient strictement identiques. Et donc, cette aventure étant plutôt arrivée dans le courant de l'été, j'imagine qu'elle était déjà usinée, Ils avaient pourtant conscience du problème chez Nintendo de sticks, parce qu'ils proposent en plus de renvoyer, je crois, le Joy-Con. Mais c'est assez récent quand même, cette proposition. Quand ils ont commencé à poser les brevets, la fabrication, les chaînes. Si le stick est le même et que ça commence à drifter, c'est vraiment la maxi base. Parce que là, ils vont avoir un vrai gros problème. C'est-à-dire que remplacer des machines, ça coûte pas pareil. La prochaine révision, la HAD2 va arriver très vite. Ils se retrouveraient face à un problème genre le ROD de la 360. Quoi. Mais cela dit, comme ça, l'usage, c'est un peu comme au jour J, au day one de la Switch. On les trouve vraiment bien, ils réagissent bien. Il est trop tôt pour avoir des alertes là-dessus. Dans un sens ou comme dans l'autre. D'ailleurs, au passage, puisque tu parlais du
système d'exploitation, si vous en prenez une seconde, si vous avez cet argent, faites bien gaffe parce qu'il n'y a plus le réglage automatique de la luminosité. Donc si vous voulez un maximum de d'autonomie, c'est pour ça qu'il me paraissait sombre. Il faut aller dans le quick menu pour le régler. S'il n'y a pas la caméra infrarouge. Si on en prend une deuxième, est-ce que la gestion des comptes est suffisamment bien gérée ? On va continuer d'illustrer ce point. Le système d'exploitation est simple, mais parfois un peu confusant. Mais tout est prévu quand même. Ça, il faut quand même le souligner. Si vous avez un abonnement Switch Online, pour ne pas égarer vos sauvegardes, par exemple, ou pas se les faire écraser, ça va être assez rapide. Il suffit sur cette console, d'ailleurs, on l'a fait, vous pouvez peut-être le voir. Hubert, je te fais travailler. Voilà. On a mis les deux profils ici, le profil de rédaction et le mien. J'ai juste ajouté un utilisateur et donc spontanément, la liste des jeux qui est là sont des jeux que j'ai achetés en démat sur ma console précédente et je les ai aussitôt retrouvés. J'ai aussitôt retrouvé les achats que j'ai faits. La différence, c'est qu'on ne peut pas jouer en même temps au même jeu sur les deux. Mais ça marche bien. Au même jeu. C'est-à-dire que tu peux jouer à d'autres jeux ? Ouais. D'accord. Et tu peux avoir, c'est une console première et secondaire, voilà, c'est ça ? Il faut obligé de te connecter sur Internet à un moment pour vérifier la licence. Alors, toute la difficulté, c'est que si tu choisis cette console d'en faire ta console principale, à ce moment-là, il n'y aura pas besoin de checker sur Internet, ça sera fait une fois pour toutes. Si tu décides d'en faire ta console secondaire, il faut que tu sois en Wi-Fi pour que la vérification de la licence de l'achat s'effectue. C'est comme sur PS4, en fait. Exactement, voilà, c'est ça. C'est... Qui a deux PS4 Écoutez. Si vous n'avez pas d'abonnement, alors ça c'est totalement indépendant de l'achat d'un abonnement Switch Online ou pas. C'est juste vous avez acheté des jeux sur l'eShop, ils apparaissent, ils réapparaissent, vous restaurez vos achats. Si vous avez un abonnement donc Switch Online, en plus vous profitez très facilement de vos sauvegardes, vous les récupérez, ça se fait quand même jeu par jeu, il n'y a pas un utilitaire de sauvegarde, faut relancer Zelda, aller dans le menu. Voilà. Doucement la modernité. Exactement, mais c'est aussi prévu, si vous n'avez pas du tout d'abonnement Switch Online, on peut transférer les sauvegardes, les paramètres d'une console à l'autre. C'est assez pénible comme opération, il faut juste qu'elle soit à côté, et puis on répond à des questions un peu lourdingues sur laquelle est la principale, laquelle moins. Mais ça marche assez bien. Okay. Ce qui te permettrait enfin de récupérer tes sauvegardes et puis de lâcher la Switch de la rédac, par exemple. Je ne veux pas de Switch Lite, justement, j'attends. Mais c'est Switch à la rédac. Celle-ci, je veux la prendre. Je veux faisant ce que tu en veux, il n'y a c'est pas de problème. Que, okay, la caméra tourne. La caméra tourne. Je perds tout ce qui fait l'intérêt de la machine, selon moi. Donc c'est vrai que. Ce qui est intéressant, c'est que je ne sais plus qui disait que. C'est un profil différent de joueur. C'est ça, à qui elle s'adresse ? Ouais. On peut faire peut-être un tour de table comme ça, on vient de commencer à le faire. Tu joues exclusivement en portable sur la Switch, donc elle a l'air de te plaire, de t'emballer, non ? Mon souci, c'est vraiment que depuis que je l'ai essayé à la Gamescom, la mienne me semble pas taude. Ouais. Tu vois, une fois que tu reviens à un truc, tu te dis, putain, c'est fou, c'est vrai qu'elle a ce poids qui n'est pas nécessaire, et mon utilisation, ouais, elle colle complètement. Et en plus, je trouve que leur packaging là, est extrêmement simple, que tu peux mettre à la sortie de chez Auchan juste avant Noël, en tout cas, ça risque de vendre beaucoup, quoi. Surtout qu'elle va sortir avec donc Pokémon Bouclier et Épée, 8 novembre. Ouais, ouais. Parce que, ouais, bien sûr. C'est un des cœurs de cible, effectivement. Il y a pas mal de foyers qui ont acheté une Switch principale et qui jouent d'un point de vue familial. Et peut-être qu'il y a des enfants, des adolescents aussi qui ont envie d'avoir leur première console. Ça, c'est le remplaçant quand même de la 3DS, même si on n'est pas du tout en train de sous-entendre que c'est une console que pour enfants, mais ça, elle remplit ce rôle-là. Elle est solide, ouais. Elle est monobloc, oui, on peut la faire tomber. L'écran, c'est une couche de plastique au-dessus comme l'autre, hein, de toute façon. A priori, il ne va pas se briser. Les boutons ont l'air solides quand même, comme ça, au premier abord. Elle tient mieux dans des petites mains, peut-être aussi. C'est enfin une PS Vita avec des jeux. Elle n'a pas l'effet, le jeu, là. Voilà, il n'y a pas le jeu. Ça, c'est le vrai truc. Pour moi, c'est le vrai problème de la Switch initiale. C'est cette espèce d'inclinaison qu'il y a au niveau des... Je pense que c'est les rails. Ouais, exactement. C'est juste ça. Et puis, ton habitude de jeu, elle est un peu targoutée sur la console. Exactement, tu l'as fait. Qui fait que tu n'as pas une console... Une console, mais plutôt deux manettes un peu brinque-ballantes sur un écran. Donc ça, elle remplit bien son rôle pour des familles, je trouve. Pour un premier achat de console, par exemple, c'est très bien. Pour des gens qui utilisent beaucoup de la portable, en mode portable, même exclusivement donc en mode portable. Après, faire une console d'app, c'est-à-dire acheter une deuxième... C'est quand même la différence entre les deux. Là, typiquement, moi, je me dis juste, bon, bah, tant pis, j'ai celle-ci, elle est très bien comme ça, et ça ne pose, j'ai absolument aucune motivation. En tout cas, je pense qu'ils auraient pu faire trouver un prix psychologique différent qui m'aurait fait me poser la question. Mais là, ça me. Je suis très content d'avoir attendu, du coup. Donc, voilà, il y a tous ceux qui ont attendu.
et qui ont lorgné sur le catalogue fantastique de jeux Switch et qui ont envie d'en profiter. Et je reconnais que elle est à 199 euros, on l'a dit, contre 299 euros pour celle-ci. Donc c'est quand même 100 euros d'économiser, de quoi s'acheter quelques jeux. Donc plus petite, meilleure autonomie, moins chère et ça coïncide effectivement à certains et moins polyvalente. Très bien. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la Switch Lite et on va enchaîner avec l'autre console, mini console pour le coup, c'est la Mega Drive Mini qui est là. Que tu as pu essayer. On l'a beaucoup attendu. Branché, ouais. On peut dire que 80 euros pour le coup. 79,99. Elle vient faire suite un an et demi plus tard, après cette... Attends, je vais te dire quoi, Hubert, je vais me servir de ça. On est bon. Voilà. C'est la réplique de AT Games, sortie en 2018, donc. Voilà. Et là, c'est Sega qui a pris les choses en main, justement. Il voulait faire en sorte d'éviter à nouveau que les problèmes d'émulation classiques connus des Mega Drive miniatures d'avant ce modèle officiel ne ressort, notamment tout ce qui est lié au son. Mmh. Et c'est vrai que quand c'est ça la grosse différence, c'est que quand tu lances les jeux, donc les 42 jeux qui sont installés, c'est ça, c'est bien le son pour le coup est correctement émulé. Le son est parfait. Tu veux dire toujours aussi cristallin, effectivement. Bon, je m'écarte un peu. Enchaîné très vite. J'ai dit. non, mais on se souvient surtout, je crois que c'est tous les deux que vous aviez fait un GK Live sur la première machine. Et dès le premier Sonic lancé, ça ramait comme c'est pas possible. Ouais. Enfin, c'était vraiment une émulation dégueulasse. Et là, c'est pas du tout le cas. L'émulation est vraiment très propre. C'est vraiment des. C'est fabriqué en interne chez Sega. Je crois même que jusqu'au packaging, il y a des. Le japonais qui s'est chargé de l'émulation. Et il y a même un menu dont la musique a été signée Yuzo Koshiro, donc le compositeur de Streets of Rage, histoire de vraiment faire le côté un peu fanservice tout autour. Et même au niveau de la sélection des jeux, Sega a fait l'effort de proposer des titres un petit peu comme Star Fox 2 sur Super Nintendo à l'époque. Il y a deux jeux légendaires, notamment le Tetris Mega Drive qui avait été annulé avant sa commercialisation, même s'il y a certaines copies, certains exemplaires qui se monnaient très 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 cher, qui sont encore en circulation dans certaines boutiques. Et il y a également un portage réalisé spécialement pour de Darius, donc le premier épisode de la grande série de Shoot'em Up, qui vient s'ajouter donc aux 40 jeux, et les 40 jeux, c'est plutôt des classiques. Ouais. Est-ce que les manettes, donc c'est de l'USB, j'imagine? Alors voilà, les manettes, je les montre ici. Elles sont plus grosses que la console, déjà. Elles sont... Focus. C'est une manette classique, vraiment, 3 boutons donc de la Mega Drive en USB. Ce qui pose souci notamment sur Street Fighter 2 Champion Edition, puisque avec la manette 3 boutons, tu es obligé d'appuyer sur Start pour passer des points des pieds. La petite nuance, c'est que désormais, tu peux maintenir une direction ou un bouton appuyé, même en appuyant sur Start, ça va prendre en compte le changement, ce qui n'était pas le cas sur la version d'origine. Est-ce qu'elle est compatible PC? La manette, oui. Ah, cool. La manette, j'ai joué un des jeux Steam, je parlais de Cuphead encore, avec, j'ai joué à Cuphead avec une manette de Mega Drive. Ça s'appelle le handicap. Et ça marche, elle est totalement reconnue immédiatement, il n'y a pas de pilote installé, c'est les trucs classiques, une direct input là. Alors, ce qui est plutôt cool, c'est que quand tu modifies la langue dans les menus, si tu passes d'anglais en japonais, tu vas avoir les jaquettes qui vont changer et la localisation qui va s'adapter. Et notamment pour les jeux, certains jeux en français. Déjà, tu as les belles jaquettes, mais surtout pour certains jeux en français, il va switcher pour coup, genre Landstalker qui avait eu sa traduction. Eh bien, tu auras la langue française dans les textes. C'est plutôt cool, même s'il y a très très peu de jeux finalement qui ont eu. Qui ont eu le droit à ça. Il me semble que la Légende de Thor en fait partie, je ne veux pas dire de bêtises. Oui. Mais le catalogue est plutôt costaud. Je suis plutôt convaincu. Bon, après. T'as quand même deux jeux Disney qui n'étaient pas forcément gagnés d'avance, puisque c'est des jeux sous licence. Castle of Illusion et World of Illusion. T'as pas Quackshot, qui était sans doute le troisième membre du trio qui aurait été très cool d'obtenir. Il y a le Sonic 1-2, Echo le Dauphin, Castlevania. La petite anomalie, c'est qu'à la place de Revenge of Shinobi, qui est sur la version japonaise, nous on a Shinobi 3, donc qui est sans doute fondamentalement meilleur, mais moins emblématique. Dark Swan Jim, Megaman, il y a Willy Ward, Ghouls and Ghosts, Alex Kidd. Ah oui, il est là en haut. Golden Axe, Phantasy Star 4. Toadjaman Earl. Mega Man Willy Wars qui vaut très cher. Monster World 4 qui n'avait pas eu droit à sa sortie européenne à l'époque. Wonder Boy, Monster World. Ouais. Eternal Champions. Et l'émulation, ça va, c'est hyper clean? C'est hyper clean. L'émulation, j'ai vraiment pas ressenti de problème. C'est vraiment très très propre. Ils ont une solution maison. On peut dire quelques mots sur l'interface du système et les possibilités. Ils ont un peu fait un... La copie de Nintendo, on va dire qu'elle apparaît comme la référence, ils ont imité sans toutefois trop égaler. C'est-à-dire qu'en fait, comme tu l'as décrit, on parcourt les jaquettes 6 jeux par ligne. On peut également les faire basculer l'affichage
On a un affichage de la tranche, un peu comme si on est chez un collectionneur, voilà. C'est qui n'est pas très lisible comme mode. Ensuite, les jeux se lancent en trois modes d'affichage, soit en 4 tiers, soit en étiré, soit en scanline CRT. Et enfin, la gestion des sauvegardes s'effectue soit en appuyant sur le bouton reset avant de revenir au menu principal. On a 4 slots de sauvegarde. Ce qui est bien, c'est qu'on peut les verrouiller. Ça, ouais, la NES, ouais. Voilà. Et le Super NES. C'est peut-être un peu moins pratique quand même que c'est le Super NES. C'est un peu moins pratique parce que c'est un peu. Il y a des à-coups. On peut pas lancer directement la sauvegarde d'un jeu. C'est-à-dire, on lance le jeu, on va dans le menu des sauvegardes, on fait load et on charge sa sauvegarde. On peut également, parce que le câble est de bonne longueur, hein, il fait plus de 2 mètres. Donc la machine elle-même, on peut la mettre au pied d'un téléviseur par exemple. Et il n'y a pas besoin d'appuyer sur le bouton reset forcément pour quitter un jeu ou gérer ses sauvegardes. On peut laisser appuyer le bouton start. 5 vraies secondes pour lancer le même menu. Donc c'est un peu poussif. Je trouve si on choisit le mode 4 tiers, on a le choix entre 3 arrière-plans un peu vite fait, un peu crado avec un Sonic devant des enceintes. Si voilà, c'est le troisième thème, c'est le noir. Voilà. Sinon il y a un truc un peu rave party et puis donc un Sonic pas très beau derrière des enceintes. Mais bon, a priori, ça fait le job. J'ai trouvé que la manette réagit est vachement sensible dans les menus aussi, quand même. Peut-être trop. Alors, on peut un peu ripper le choix d'un jeu, on descend un peu vite, il faut s'y habituer un peu. Mais en partie, c'est parfait. L'émulation est très bien. La machine est un peu chère quand même, parce qu'il y a 42 jeux, c'est une bonne affaire, mais je pense qu'il faut être vraiment fan. Surtout que cette année, il n'y a pas d'anniversaire particulier de la Mega Drive, hein, sauf erreur de ma part, ce sera l'année prochaine, c'est 30 ans. Non, c'était 88, justement, ils l'ont loupé d'un an. Ah, c'est donc, ça, l'inverse, ouais. Et 31. Oui, et ça aurait été, par contre, les 20 ans de la Dreamcast, je dis pas de bêtises, non L'an dernier aussi, oui. Ah, j'ai cassé la console. Non, j'essaie de l'ouvrir. Alors, oui, le Mega CD. La trappe s'ouvre. Ah, oui. Et avec difficulté, il essaye de brancher. Claque. Voilà, le monsieur essaye de brancher le Mega. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il faut bien comprendre. Ah oui, tiens, on n'a pas fait le tour du propriétaire aussi, un petit peu. Tiens, je vais reprendre ma caméra. Il y a quoi derrière la trappe, du coup? Alors justement, non, c'est un espace vide, mais j'ai déjà vu sur des clichés, apparemment, à des salons, ils ont montré des... Oui, parce que tu peux faire des petites mini-tours voilà, avec le Mega CD, avec le 32X. Tu peux vraiment les empiler et utiliser ça. Alors, côté connectique, il y a donc 2 ports USB, 2 manettes sont fournies avec. Histoire de continuer l'aspect reproduction, ils ont mis le potard de volume, qui ne sert à rien du tout, hein. il n'y a pas de sortie jack, machin, mais... Donc il y a ces 2 boutons, l'allumage et reset, pour lancer. Ils ont poussé le vis jusqu'à rendre la trappe ouvrable. Mm. Elle donne sur du plastique. Mais là aussi, j'ai vu des mini-copies de... Ah, j'en ai une du TGS, justement. Ouais, c'est ça. Voilà. C'était des personnes triées sur le volet. Ah bah, t'as rentabilisé ton bilan carbone, t'as vu ça. Et à l'arrière tout simplement, un port HDMI et un port micro-USB pour la recharge. C'est simple, service. Alors, la finition est vraiment bien. C'est un plastique tout à fait sympa par rapport à l'autre qui paraît vraiment maintenant un plastique brillant. Là, c'est assez mat, c'est très joli. Donc, 80 euros pour la Mega Drive Mini qui sortira chez nous le 4 octobre. Ça pique un peu. C'est à peu près le même tarif que la Super NES Mini, sauf qu'il y a peut-être moins de jeux hyper emblématiques. Je sais pas, ça, c'est le débat. T'as quand même Fantasy Star 4, Shining Force, Landstalker pour Light Crusader pour avoir des jeux à durée de vie quand même très très haute, très très élevée. Moi, il en manque un ou deux que j'aurais bien voulu retrouver. Notamment, Game Ground n'y est pas, je crois. Non. Mais après, bon, c'est pas non plus. Et puis, je connais certains jeux assez cool qui ne figurent pas non plus. Le regret, finalement. C'est la manette, enfin je veux dire la manette 3 boutons quoi. Oui, et donc il faut. Vous pouvez acheter une manette USB 6 boutons que vous trouverez chez tous les revendeurs classiques qui misent sur le rétro et elle est compatible, hein, ça marche sans problème. D'accord. On avait testé, il y a un article encore en ligne, je pense, sur Gamekult avec le test d'une dizaine de manettes rétro et il existe des modèles de manettes USB Mega Drive 6 boutons. Et si jamais, genre vraiment, je veux rentrer dans le plus grand des blasphèmes, si je branche un pad de Xbox maintenant dessus, ça marche? J'ai pas essayé, je vais pas te mentir. Ça sera testé sur d'ici l'apparition du test. Bah écoute, on verra bien. Voilà. Si la manette fonctionne sur un PC, à mon avis, ça doit marcher. Je pense que c'est. En vrai, je pense qu'il y a la Sega Police Force qui vient chez toi et qui te bute. Tu peux même mettre ton joystick d'Elite Dangerous si tu veux, tu peux le brancher directement. Tu peux jouer à Sonic avec ton stick. Quoi qu'il arrive, vous retrouverez les tests de la Nintendo Switch Lite. Non, pas Switch Mini, et le test de la Mega Drive Mini sur le site. Je pense que Switch Lite est paru, c'était vendredi. Mega Drive Mini, ça devrait paraître dans la foulée de l'émission. Merci Jean-Marc. Si on arrive à libérer Jean-Marc de ce plateau. Mais c'est possible puisque nous allons attaquer enfin la dernière partie de cette émission. Ce sera avec nos émission, finalement. Je sais pas si c'est le gros morceau, mais en tout cas, on va en parler. C'est Link's Awakening et ce sera juste après cette petite bande-annonce.
dreams will fade, although we cling fast. Was it real, what we saw? I believe. Lost in dreams, we sleep on, tossing and turning. Stay with me. Bon, l'avantage, c'est comme avec Borderlands 3, finalement, il n'y a pas grand chose à dire, parce que c'est la même chose qu'avant, sauf que. Tu vois, fait 5 mois, moi je me casse. Link's Awakening, c'était en 93, c'est l'un des jeux les plus emblématiques du Game Boy. Salut Pippo Mantis. Et c'est toi, Nodus, qui a eu l'occasion de tester son remake. Remake qui avait été annoncé juste avant le 3, voire pendant le 3, alors, je ne sais plus. Ah, le 3, t'as vu un trailer de gameplay. Ouais, le 3, on a pu l'essayer, mais il avait été annoncé avant. Oui, ça avait été un petit événement là encore. Et bah, c'est ton premier Zelda. Oui, oui. Bah, que j'avais fait à l'époque sur la Game Boy. Ouais, tu ne t'es pas trompé. Salut, c'est un jeu qui a vraiment cultivé, ouais, conservé une aura à travers les âges. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont découvert aussi la série Zelda avec cet épisode Game Boy. Ouais, puisque... bah, moi, je sais qu'à l'époque, j'avais pas de console de salon, donc j'avais fatalement du coup, la Game Boy Color. Donc j'ai commencé par la version DX, ensuite pour refaire la version de base. Et, ouais. Donc là, maintenant, j'ai joué au jeu 25 ans plus tard. Qui est 26 ans. 26 ans, figure-toi. Et qui donc, est splendide. Ok, alors la direction artistique, encore une fois, peut diviser. Je sais que beaucoup aiment, beaucoup n'aiment pas. C'est moi, à titre personnel, j'aime bien. À titre personnel, j'aime bien. Et on peut pas nier que l'exécution, quand même, elle est parfaite. Tout a été refait en 3D. Tout a été aussi adapté à l'écran 16:9 de la Switch, parce qu'à l'époque, on rappelle que c'était fatalement en 4 tiers. Il y a un truc qui se dégage du jeu qui est absolument fabuleux. T'as l'impression de te déplacer dans une sorte de maquette, de diorama de l'île de Cocoline, parce que aussi c'est l'un des seuls Zelda qui ne se passe pas à Hyrule, mais sur l'île de Cocoline, qui est une île sur laquelle Link va s'échouer après avoir été tâté du monstre en préparation justement pour s'entraîner. Et en fait, sur le retour pour aller à Hyrule, il va s'échouer, et donc c'est Marine qui va le ramasser et l'amener chez elle. Et il va ensuite devoir aller réveiller le poisson rêve. Je vais éviter d'en dire trop, parce que c'est un Zelda aussi qui a une aura un petit peu onirique, un petit peu mystique dans son scénario. C'est très beau, voilà, c'est vraiment enchanteur, et ça permet aussi de non seulement de redécouvrir le jeu comme à l'époque, mais aussi de le voir sous un œil nouveau. Il y a des choses qui parfois qui bénéficient de pas mal d'animations différentes, notamment les personnages à qui tu vas parler, les monstres, etc., ont beaucoup plus d'expression faciale, et tout ce que tu vas voir par exemple dans le texte, je pense à j'ai oublié comment il s'appelle, l'ours qui faisait la cuisine, le crocodile qui peint, etc., quand ils vont te parler, tu vas voir vraiment leur visage s'animer sous tes yeux. Ça, c'est cool. Parce que ça reste quand même une reproduction très 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 fidèle du jeu d'origine. Religieuse, presque. Religieusement. Il y a la version DX, donc il bénéficie aussi donc des choses dont avait bénéficié à l'époque la version DX, notamment le fait que tu puisses dans les donjons par exemple revenir dans les salles et les monstres sont déjà éliminés si t'as déjà nettoyé une salle. Pas mal de infâme mini-jeu. Même 26 ans plus tard, c'est toujours la pire merde. C'est... Surtout que là, les objets sont physiqués, donc cette peluche de Yoshi, elle là, elle est coincée et c'est horrible. C'est le pire mini-jeu. Voilà, désolé. Et donc, oui, non, reproduction effectivement rigoureuse de... reproduction rigoureuse du Zelda d'époque, au bloc près. À tel point que à un moment j'étais bloqué dans le château, j'ai pu aller voir la soluce d'époque pour me rappeler d'où était l'escalier. Vraiment une reproduction littérale du matériau de base qui n'a été quasiment pas bougé, à l'exception voilà du mini-jeu qui est maintenant il y a un moteur physique. Il y a à l'époque sur la version DX, on avait la maison le magasin photo qui permettait en fait de faire la quête des photos, de prendre des photos à des moments clés du jeu pour débloquer la chambre des couleurs, qui était un donjon couleur qui mettait à profit les fonctionnalités de la Game Boy Color. Là, ce n'est plus le cas. Le donjon, les photos et le donjon couleur, pardon, ont été remplacés par la chambre des donjons. Donc c'est la maison d'Igor en fait. Et Igor, une fois que tu fais un donjon, tu vas aller parler à Igor. Et Igor va te dire, ok, tu viens de faire par exemple la cave flagello, tu vas récupérer chaque morceau, chaque pièce de la cave flagello, que tu peux ensuite réarranger dans ce qui peut sembler être un éditeur de donjon, mais ce qui n'est pas du tout un Zelda Maker. Attention, c'est juste un mode challenge avec des énigmes, il y a une vingtaine d'énigmes, et Igor va te dire, ok, voilà une entrée, voilà une entrée, il faut que tu me relies les deux avec les blocs que tu as à disposition. Donc c'est vraiment juste du puzzle game, c'est une petite friandise. C'est assez... Enfin, l'exercice du puzzle game est plutôt cool. En revanche, ce qui est ennuyé, c'est que comme tu dois refaire le donjon après, une fois que tu l'as construit, tu dois le refaire pour le valider. Bah, tu te retrouves en fait à faire des trucs que tu as déjà fait 25 fois dans le jeu, donc c'est un peu chiant. Vraiment, l'intérêt de ce mode est assez limité.
Par contre, du coup, l'un des gros intérêts de ce remake, là, on le voit pas parce qu'on est dans un donjon, mais c'est d'avoir beaucoup plus de mise en perspective de chacune des zones de jeu. C'est-à-dire qu'avant, l'exploration était divisée en parcelles, ouais, avec une carte qui n'était pas forcément très lisible puisque c'est monochrome. Ouais. Et là, désormais, tu as beaucoup plus facilement des points de repère et ouais, ça te permet d'explorer un peu plus librement Hyrule sans forcément te perdre à chaque fois. Ouais. Et l'autre gros ajout du jeu, je pense, c'est ben, forcément d'avoir plus de boutons accessibles sur Switch, ce qui t'évite d'avoir à constamment zapper entre tes deux pauvres touches, comme à l'époque sur Game Boy, dès que tu souhaites utiliser. Alors, là, c'est la feuille, c'est ça, enfin, en tout cas, l'item qui permet de sauter. T'as la plume pour sauter, voilà. T'as aussi le bouclier, l'épée, etc. À l'époque, donc, comme la Game Boy n'avait que deux boutons, donc A et B, tu devais switcher en permanence entre épée, bouclier, plume, et machin. C'était horrible. En revanche, là, voilà, on voit en haut à droite de l'écran, bah, là, ça vient de se barrer, mais Y et X, donc de la Switch, peuvent être assignés à deux objets. Par exemple, moi, ce qui était super agréable, c'est que j'avais mis constamment la plume sur X, donc j'avais tout le temps la touche X pour sauter, pas besoin à chaque fois de passer par les menus. C'est pour le coup très bien. Il y a pas mal d'améliorations, effectivement, du confort de jeu. On peut arrêter cette séquence là, elle m'énerve. Ah lui, il le chope. Hein. Et donc, ça va, c'est bon là. Voilà. Et donc, amélioration du confort de jeu, donc comme tu l'as dit au niveau des objets, on peut mettre des marqueurs sur la map, des petits marqueurs, cœur, pique, etc., trèfle. Un peu à la Breath of the Wild. D'ailleurs, les menus, on a vu les menus là, l'inventaire, etc., ça fait très Breath of the Wild dans la palette de couleurs. Ils ont repris les menus de Breath of the Wild, ce qui est plutôt cool en soi, hein, ça fonctionne très bien. Au niveau des améliorations de confort de jeu, ouais. T'as aussi le mode héroïque qui permet à ceux qui le connaissent héros, vraiment ouais, par cœur de mettre un petit peu de difficulté quand même dès le départ, parce que c'est vraiment le même jeu. Hein. C'est littéralement exactement au pixel près le même jeu, enfin pixel peut-être pas, mais au bloc près le même jeu. Ce que vous allez trouver dans les coffres, les monstres qui apparaissent dans les salles, les dialogues de personnages, tout est identique à la version DX, à l'exception voilà, de l'éditeur de donjons. C'est bien d'avoir ça dès le départ, peut-être pour essayer d'épicer un peu la sauce, ouais, sinon ça risque. Ça risque de paraître un peu fade, mais c'est vrai que l'aspect découverte va surtout se limiter à l'aspect graphique. Alors, c'est aussi un. Je suis pas sûr que ce soit. On n'est pas la cible en fait, hein. Clairement. Enfin, en plus, c'est vraiment un jeu merveilleux pour des gamins. Le but, c'est vraiment les sapins de Noël des mômes. Là. Parce que c'est aussi, faut le préciser, il cohabite avec un Zelda sur Switch, Breath of the Wild, qui est quand même très ouvert, très organique et qui a des principes de game design complètement différents de celui-ci. Là, c'est l'un des Zelda les plus, entre gros guillemets, hein, je vais pas être grossier, les plus simples de la série. Il est assez court en soi, il est plutôt facile, les donjons sont pas extrêmement compliqués. Mais en revanche, c'est par contre, je pense, le meilleur point d'entrée pour découvrir Link's Awakening. C'est le plus beau, c'est le plus ergonomique, le plus confortable à utiliser. Il y a des problèmes de perf dont on reviendra dessus après. Mais si ces problèmes sont réglés un jour, c'est la meilleure façon de découvrir Link's Awakening aujourd'hui. Ça, c'est pour le coup très bien. Il y a aussi pas mal de réinterprétations donc, sur le plan graphique et sur le plan musical. Musicalement, c'est vraiment très très bon. Même si les thèmes sont pas forcément très nombreux, ils sont autant qu'à l'époque en fait, donc tu les entends assez vite en boucle, ils sont tous fabuleux. Ils sont vraiment tous fabuleux. Il y a le thème du village des animaux qui est assez marrant, c'est juste des bruits de chats et de chiens samplés les uns après les autres, c'est très rigolo. Ça, c'est une version rajeunie d'un jeu Game Boy, donc tu sens en fait dans les contrôles, même là en fait, tu sens voilà, l'aspect case par case et tu sens que c'est un Zelda Game Boy, c'est très rigide et c'est très old. Peut-être aussi dans la manière dont il va amener certains indices ou la manière dont il va t'inciter à explorer certains coins de la carte, il va rester peut-être un peu sibyllin et peut-être pas te donner de... Test. Et c'est vrai qu'à l'époque, ça paraissait un peu nébuleux, par exemple la poudre magique, donc il y a une poudre que tu récupères au début là avec j'ai oublié le monsieur qui manie le champignon, donc une poudre que tu peux faire dans le jeu et qui différents effets, donc en la mettant sur tel ou tel objet, t'as différents effets. À l'époque, c'était quand même un peu la merde pour savoir quand l'utiliser et à quel moment, à quel endroit. On n'aurait peut-être pas craché sur quelques indications supplémentaires pour les nouveaux joueurs, surtout que voilà, comme Gauthier disait, si c'est un jeu qui s'adresse aux enfants à Noël, je vois mal les gamins passer 5 heures à utiliser la poudre magique sur n'importe quelle babiole qu'ils croisent. C'était très chiant à l'époque. Pareil pour la quête des échanges à la fin. Tu passes des heures à faire toute la map pour aller voir quel mec veut la nana, quel mec veut l'hibiscus. Enfin, c'est assez chiant. Mais c'est voilà, c'est une volonté de préserver le matériau de base. C'est un choix. C'est un jeu qui est rigide et qui répond à des principes de game design il y a 25 ans. Et il faut le savoir quand on lance le jeu. Et donc, effectivement, les problèmes de perf. Oui. Le sujet. Alors, donc là, le sujet. Peut-être qu'on. Alors, qui fâche. Moi, ça me fâche. Toi, ça te fâche, mais c'est pas extrêmement dérangeant tout le temps. Link's Awakening a un problème avec le chargement des zones, je crois.
Donc les zones, donc tu as les différentes zones, tu as le village des mouettes, tu as la forêt enchantée, etc., etc. Tout est accessible d'une traite. Tu peux, sans écran de chargement, en dehors des donjons, évidemment, te balader partout, avec la caméra qui te suit, contrairement à l'époque où c'était tableau par tableau. En revanche, ce qui est dérangeant, c'est que quand tu passes d'une zone à l'autre, par exemple quand tu vas entrer dans la forêt enchantée, que l'ambiance graphique va changer et que le jeu va charger la nouvelle zone, t'as une chute de framerate qui peut durer 2, 3, voire parfois 4 secondes. C'est assez chaud. Elle est impossible d'en avoir, pardon. C'est pas impossible parfois d'en avoir dans une zone aussi. Dans une zone, par exemple, quand les effets de particules s'invitent à l'écran, je pense par exemple à des moments dans les donjons de fin où t'as beaucoup, beaucoup de peau. Et quand tu casses deux ponts entre eux, il y a de la fumée et le jeu a beaucoup beaucoup de mal à gérer la fumée. La flotte pareil. La flotte, ah oui putain, le marais anémone c'est l'enfer. Et la zone des rapides, à la fin où tu dois faire le tour en radeau, c'est bourré de d'effets de particules, bourré de fumée, bourré de... Enfin du coup ça pose problème puisque dans ces zones là t'as des chutes de framerate assez fréquentes. En revanche, s'il y a des moments ponctuellement où moi ça m'a dérangé, où j'ai perdu un cœur durant un boss, ou voilà, mais c'est pas non plus catastrophique, loin de là. Au-delà de ça, le rendu est fluide. J'espère juste qu'ils vont corriger les problèmes de. Alors oui, là j'ai essayé de gruger, mais bon. Ça s'essaye en tout cas. Ça s'essaye, ça se tente. Hop, voilà. Après, on va réussir. Mais effectivement, ouais, il y a des problèmes à ce niveau-là, et j'espère que ça va être corrigé parce que là, pour l'instant, le plus grave, c'est quand tu rentres dans une zone et que tu constates qu'effectivement, le framerate est parfois divisé par deux. C'est quand même un peu con pour un jeu qui justement voulait séparer, enlever la séparation entre les écrans, de l'avoir encore, d'en souffrir encore dans l'œuvre finale. Moi, je sais que, enfin, j'ai commencé à faire le jeu. Moi, ça me gâche quand même un peu le truc. Je suis en train vraiment de me dire que je pourrais attendre un patch. Ouais. Je sais pas si c'est vraiment un truc qu'ils vont faire en fait. Mais j'espère que c'est dans les plans. Là oui, c'est 10 minutes de moi qui était parti pisser et qui a oublié d'enlever la capture, donc tu peux... Je sais pas justement, Puyo. Mon cher Momo Joe. Comment sont... C'est quoi la politique de Nintendo vis-à-vis des patchs sur leur propre jeu, sur leur propre production? Comme tout le monde, il n'y a aucun souci. Non, non, oui, bien sûr. De ce côté-là, ils sont modernes. Bah, regarde Smash Bros, regarde Mario Kart 8, même Zelda a eu droit à beaucoup de patchs. C'est comme très étonnant de voir. Et puis là, je pense que ça leur a pas échappé. Déjà, ça nous avait pas échappé à l'E3. Il y avait déjà ce souci-là, j'espérais qu'il soit réglé. Et en fait, c'est pas le cas, et c'est vrai que ça risque un petit peu là aussi de me gâcher le plaisir, hein, perso. Mais vous savez quoi, c'est étonnant de voir un jeu first party Nintendo qui est quand même en plus vendu 60 balles, j'y reviendrai à la fin, qui du coup a des problèmes de performance comme ça. Moi, ça m'a dérangé ponctuellement, ça m'a pas gâché l'expérience non plus. C'est pour ça que j'ai pas. Voilà, j'ai signalé dans le test. Link Between Worlds sur 3DS qui, lui, pour le coup, était un fleuron de la machine qui tournait extrêmement bien sans la moindre anicroche. Sauf que c'est pas le jeu le plus gourmand du monde, quoi. Ça va, c'est. Disons que ça la fout hyper mal, quoi. Ouais, ça la fout hyper mal. Pour, en plus c'est vraiment genre on te ressort ce truc un peu signature de le petit artisan, tu vois, et c'est con de se gaufrer là sur une sortie. Enfin après on parle aujourd'hui le jour de la sortie, si ça se trouve en fait il y a un day one, il y a un patch day one et on le sait pas, mais c'est un peu con. En termes de DA, juste je voulais revenir sur l'effet tilt shift, donc l'effet maquette, qui permet d'avoir qui met du flou sur les côtés. Ah, donc c'est un truc très utilisé notamment dans les city builders, SimCity par exemple. Je trouve qu'il est un peu bourrin, qu'il manque de subtilité, et que quand t'es sur une télé de belle taille, pas 4K, hein, normal, t'as quand même beaucoup de flou et cette impression que ça rogne beaucoup de l'écran. Ce qui me permet justement d'évoquer un point. Excellente transition, merci Gauthier. C'est un jeu qui est avant tout pensé pour l'utilisation nomade. Dès que vous mettez sur une télé, peu importe la taille, pas besoin d'une télé 8K pour le voir. Mais en fait, ouais, carrément, c'est fait pour ça, quoi. Parce que dès que vous mettez sur une télé, même sur un écran de PC, j'ai mis sur l'écran 1080p du taf, t'as un aliasing qui est assez marqué. T'as le tilt shift effectivement, donc le flou cinétique autour de l'écran qui est quand même assez dégueulasse et qui parfois en plus fait, enfin ça bave, c'est vraiment pas beau sur une télé, ça peut être dérangeant, mais par contre sur console portable en version nomade c'est impeccable, le jeu est fait pour ça. En plus sur version nomade les chutes de FPS sont moins perceptibles que sur un grand écran. Je pense que voilà, le faire sur grand écran c'est peut-être la pire chose que vous puissiez faire. Et la pertinence de la proposition au jour où il sort, c'est-à-dire que moi c'est toujours un truc qui m'intéresse beaucoup de savoir comment vieillissent les jeux. Mm-hmm. Tu le sais, c'est ma marotte.
Qu'est-ce que ça donne un jeu Game Boy de 93 en termes de même au Nintendo, donc plutôt des trucs un peu intemporels. Est-ce que ça l'est vraiment? Bah c'est intemporel parce que déjà c'est des principes qui ont 25 ans et qui aujourd'hui sont réutilisés dans beaucoup de Zelda. Mmh. Il a été fondateur sur quelques petits trucs quand même. En revanche, voilà, comme j'ai dit, il y a des principes qui ont vieilli, assez mal vieilli. Un manque d'explications sur certaines mécaniques et certains combos d'objets. Les déplacements, là ils ont rajouté, comme Puyo l'a dit, des points de téléportation dans le monde pour te permettre de taper un peu n'importe où quand tu veux. Surtout quand t'as l'ocarina qui te permet de faire du fast travel, mais avant ça, avant d'avoir les points de TP, c'est un jeu où tu marches beaucoup tout au long du jeu. Ça peut être dérangeant, effectivement, mais voilà, pareil, encore une fois, préserver le jeu de base, donc ils ont pas voulu, ils ont juste mis des points de TP en plus. Sinon, c'est un Zelda qui reste très solide. C'est personnellement moi mon préféré. Il est très solide en termes de design des donjons, en termes de narration, en termes de personnages, en termes d'ambiance. C'est vraiment un Zelda que moi j'affectionne beaucoup et qui là encore 25 ans après reste très pertinent en termes de mécanique. Même si, voilà, encore une fois, tu joues à un jeu Game Boy, donc faut pas t'attendre non plus à un truc aussi organique et aussi, comment dire, aussi, j'ai pas le mot, aussi chaleureux, convivial qu'un Breath of the Wild, par exemple. Là, tu sens que parfois, voilà, le jeu, il est rigide, mais c'est voulu. Ceci dit, la pertinence du remake de ce Zelda particulier, elle, enfin, j'en doute vraiment pas. Dans le sens où, vraiment, de la longue série, cet épisode-là a une bizarrerie. Il a une bizarrerie, c'était une tentative, la conception elle est complètement différente. Il y a beaucoup de vannes dedans, il y a des références à d'autres jeux, il y a une référence à SimCity dans ce jeu-là. C'est phase 2, donc du coup, on coupe qui était. Ouais, voilà. Et en fait, cette bizarrerie et cette espèce de volonté de casser, pour rappel, il n'y a pas de Zelda, il n'y a pas de Ganon. T'as Ganon, ouais. Oui, enfin voilà, t'as une. Mais globalement, cette espèce de truc s'est un peu perdu. Et qui est un peu hors canon, enfin même si on peut le faire rentrer dans le canon, et enfin c'est important, je pense, pour les gens qui l'ont jamais fait, c'est une belle découverte quoi. Qui plus est sur une machine qui à l'époque, enfin c'était très limité techniquement, donc c'est cool aussi de le rafraîchir d'un point de vue technologique. Ce qui est assez drôle, c'est que le scénariste de ce jeu de 1993, Koizumi, il est devenu producteur de la Switch et de la Switch Lite. Donc c'est lui qui d'ailleurs a annoncé cette Switch Lite en courant juillet. Et c'est assez intéressant de voir le parcours de cet homme-là et puis de la saga globalement, parce que tous les autres producteurs de Zelda par la suite, je pense à Onuma, tout ça, ils ont tous dit que c'était cet épisode-là qui les avait... Parce que ça avait débridé quelque chose chez Nintendo dans l'écriture, le loufoquerie, faire des quêtes de troc, comme tu dis, des trucs. Et ça, ça a été conservé dans tous les épisodes par la suite, Ocarina of Time en premier, et puis la suite. C'est aussi pour ça qu'à l'époque, la version DX avait été censurée, mais à l'époque, t'avais quand même des phrases et des vannes qui étaient un peu particulières. Le bikini a été remplacé par le collier. D'ailleurs, ils ont gardé le collier, j'imagine, alors. C'est le collier, mais à l'époque, dans la version Game Boy originale, quand tu allais sous l'eau pour récupérer une écaille de la sirène, ils disaient « Oh, petit coquin !» Et ça a été traduit, Oui, à l'époque de la DX, ça a été... Ça a été censuré. Mais non, ça reste du coup un très bon moyen de découvrir l'un des meilleurs Zelda de la série. Un Zelda qui a été fondateur sur pas mal de points. Et même s'il reste un peu rigide, voilà, etc., c'est fabuleux. C'est vraiment onirique et c'est féerique de redécouvrir le jeu. Et de redécouvrir ses musiques, puisque ça me permet de faire la transition. Juste, je voulais parler du prix. Le prix ? Oui, 60 euros, on l'a dit. Ah bah c'est trop cher. Bah oui, transition. C'est beaucoup trop cher. Musical également. Le jeu Nintendo, tu serais habitué à dire ça. La nouvelle version de la rubrique GameCube, enfin la nouvelle version, la version Allegro. Qu'est-ce que c'est, Gotos, exactement, la version Allegro ? Alors la version Allegro, ce sera une série de hors-série long format premium qui sera proposée donc. Dans le slot GameCube, donc il parlera de musique de jeux vidéo. Ce ne sera pas dans la rédaction que ce sera écrit, mais ce sera écrit par Fanny Rebillard qui a écrit sur Musicaludi, qui a écrit sur jeuxvideo.com, qui avait une chronique qui s'appelait très simplement VGM, et qui nous a proposé en premier article de cette saison d'articles qu'on va faire ensemble une analyse de la musique justement de Link's Awakening et de tout ce qu'elle faisait et de tout justement des révolutions, notamment en termes de narration et d'utilisation de la musique pour t'intimer des choses. Et d'ailleurs, c'est très très bien parce que ce remake existe parce qu'il y a notamment une importance de plusieurs instruments dans l'histoire du jeu. Et avant, c'était
les mêmes canaux du Game Boy qui s'occupaient de tout ça. Là, maintenant, vous allez vraiment pouvoir entendre le violon, le machin et tout. Donc, il y a toute une histoire autour de ça, des rappels de thèmes qui intiment peut-être une histoire que le jeu ne te dira pas avec du texte. Et on a fait un long article avec plein d'extraits à écouter, des extraits comparatifs, etc. Super. Et c'est disponible voilà, sur l'espace premium. Et Gamekult Allegro, ça permettra aussi à Fanny de couvrir pas mal de sujets, notamment techniques, sur les consoles, sur les... C'est des choses qu'elle fait déjà sur Twitter, si vous avez pu découvrir certains des sujets long format qu'elle a pu faire. Le transistor voilà. De la Mega Drive. Voilà, on pourra parler exactement du Yamaha ou de ce genre de choses. Et voilà, c'est des projets qu'on a dans les cartons. En tout cas, la saison, elle est déjà prévue. Ouais, et la semaine prochaine, il y aura évidemment beaucoup, beaucoup de sorties et beaucoup de tests à suivre. Ouais. On vous fait l'agenda des sorties, c'est le moment. Voilà, qui est le premier? Allez, ouais, The Surge 2, ce sera le 24 septembre. Ça va arriver très, 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 très vite et on aura le test. J'imagine en temps et en heure. Il est déjà en cours. Oh, le prochain, attends, je suis désolé. Le 24, on a aussi un second jeu qui me semble être plutôt de ton... Ouais, hein ouais, donc là, on voit The Surge 2, effectivement, ouais, à la bande-annonce, donc qui va s'inscrire dans la lignée du précédent jeu de Dex 13. Et voilà. Ce sera toujours un Souls-like où vous tranchez des objets pour les absolument. Rajouter à votre équipement. Vous les approprier. Ça part très bien, de voilà. Ce qu'on a vu. Ça oh sent très bon. On ne sait pas si ça te sent très bon pour Contra Rock Corps, mais lui aussi va sortir le 24 septembre. Mm-hmm. Donc voilà, lui aussi est en test et on aura le verdict très très prochainement là encore. Un contrat vu de dessus, jouable en multijoueur, pensez un petit peu Diablo-like sur les bords. On aura également la sortie de Flotsam, ce sera le 26 septembre. C'est un city builder sur l'eau, vous allez construire votre ville sur la mer en fait. Et le délire c'est qu'en fait, comme c'est sur l'eau, la ville peut bouger. Et vous allez pouvoir récupérer des ressources sur des épaves de bateaux, des épaves de voitures qui flottent, etc. On l'avait vu à la Gamescom, on l'avait vu aussi avant ça à la Gamescom d'avant. Et c'était plutôt engageant, c'était bourré de bonnes idées, c'était plutôt mignon. Et j'ai hâte, ça sort en accès anticipé donc le 26 je crois. Ouais. Et j'ai hâte d'y jouer. Autre accès anticipé peut-être Gotos. Ah oui, le 24, on revient un petit peu en arrière, on s'est un peu... grimper dessus, désolé. Noita, je sais pas si Hubert aura la capture ou pas, Noita qui est un jeu qu'on s'est souvent montré dans les salons ces derniers temps puisque c'est un dungeon crawler où chaque pixel en fait est non pas physiqué mais simulé, ce qui va porter des propriétés, voilà, notamment ah oui, ça y est, oui. Voilà, la possibilité d'enduire le sol d'huile et puis de le faire brûler ensuite, et il va falloir descendre. Alors évidemment c'est des opportunités mais aussi beaucoup beaucoup de dangers en cours d'aventure. Généralement les premières parties faites sur salon duraient sous la minute, voilà. Tu découvres une nouvelle truc, voilà. Tu apprends, tu meurs, tu réapprends, tu meurs. Faut aimer, mais clairement ça peut être un jeu très intéressant et ça arrive en accès anticipé sur Steam le 24. Et il est parti également en tête, c'est Code Vein, hein, le Dark Souls, là aussi, donc c'est différent de The Surge 2. Là on est plus dans le trip animé avec un partenaire qui est tout le temps avec vous. Et bien sûr, l'ogre de cette rentrée, l'autre ogre, il n'y a que des ogres, c'est le 27 septembre, la sortie officielle de FIFA 20. Et là... Eh ben, ouais, 26-27. Le test est en cours, on y joue en parallèle. Et on aura l'occasion d'enfiler nos plus beaux maillots pour vous faire un petit duel annuel. Le marronnier, ce sera la semaine prochaine. Non, la prochaine émission Gamekult. Ça y est, c'est fini pour celle-là. Merci, messieurs, d'avoir tenu au bout de ces 4h20 d'enregistrement. Et j'exagère un peu, mais il est l'heure du McDo, effectivement. Et on vous donne rendez-vous à vous la semaine prochaine. Ce sera samedi prochain pour toujours plus d'actualités couvertes dans Gamekult, l'émission Duel de foot. Il y aura sans doute d'autres jeux, évidemment, parce qu'on ne va pas se limiter à ça. Je sais que voilà, il y a des pros, des antilles. Il y a beaucoup d'antilles autour de cette table. Le retour de Pipo, le retour de l'humain. Rétro Dash qui va également être en préparation, puisque ça y est, enfin on tient une date, on tient un thème, on tient surtout un invité. Et toutes les conditions sont réunies pour l'enregistrement. Donc ce sera, j'imagine, dans votre espace premium d'ici la fin de la semaine prochaine. Beaucoup d'articles en cours à relire. Tu rames, Nicolas, tu rames. Voilà, c'est le moment de se dire au revoir. Ciao à tous, merci de votre participation et à la semaine prochaine. Bye bye, ciao.